Salut YouTube, on est sur notre première tentative de la All Bosses No Death en randomizer avec le DLC. Du coup, tous les objets, tous les ennemis et tous les boss ont été mélangés entre eux avec le jeu de base et le DLC. Et du coup, le but va être d'aller tuer les 207 boss sans crever. Pendant 8 mois du coup, puisque ça risque d'être long. Je rappelle que la première fois j'avais réussi en 4 mois et quelques jours et 10 jours et 11 jours du 5 janvier au 16 mai, et là on est actuellement du coup le 31 août et ce soir on fait la Java pour oublier ça. Voilà, donc premier perso, je pense qu'on va l'appeler, attendez, parce que du coup dans mes personnages, si je fais charger de, il doit y avoir pipi caca, ouais c'est pipi caca 43 du coup. Oui, je suis bête, j'ai mis à jour là-haut. Donc PB 443, Try 43 et les boss 0 puisque j'ai pas commencé. Donc allez, nouvelle partie, on va aller voir les classes. J'ai le routing en tête, donc ça va aller. Et ce qu'on va essayer d'aller faire, du coup, c'est d'aller buter le dragon zombie. Hein. Ah, c'est pas ce clavier, je suis bête. Hop, hippie. Caca 43, voilà. Et du coup, bon, on va voir ce qu'on a comme classe. Origine, vagabond. Donc le vagabond, il a un flambeau, un grand couteau, un bouclier rond. Donc ça, c'est pas mal. C'est de la merde, c'est faux. Morgenstein x2, avec bouclier en bois chevalin. Et 11 en vigueur, c'est de la merde. Ça, c'est quoi? C'est bouclier qui fait des épines. Et la grande hache de gargouille, ok. Le bandit. Oh. Le falx, c'est l'arme de... Ça fait du saignement, le falx. Et arc serpentin. Putain, c'est pas mal. Ouais, par contre, 10 en vigueur, c'est que dalle. Écu bestial aussi, c'est fort, putain. Et flèche à noce empoisonnée. Putain, elle est pas mal, hein, la classe, là. Le falx, je sais pas, en fait, le problème, c'est que je sais pas si ça fait du saignement. Ouais, ça saigne les falx. Ça, à mon avis, c'est puissant, ça. À mon avis, c'est super fort. Hein. Salut, Delcy Illustration, comment ça va? Coucou à toi et bienvenue sur ce live intense. Ok, c'est son seul qualificatif. Épée large, forme indiscernable. Putain, ça c'est fort. Hein. D'avoir forme indiscernable en sortilège là. Par contre, vigueur 9. Hein. Brise-terre. C'est quoi brise-terre? Ça me dit rien. Bâton d'excavateur et bouclier rond gravé, ok. Là, la pioche, renforcement ardent. Assistance seigneurale, saut géant, bouclier léonin doré, ok. Bon, ça on s'en bat les steaks concrètement. Dague, arc. Bouclier cuir noir, flèche arc-en-ciel, c'est la run malus là. La grosse run malus. Hein. Moveset, c'est les lames de mercenaires de DS3, hein. C'est fort. Ouais, je pense que pour l'instant, j'hésite entre Morgenstein et lame de flex là, de falx. Bon, ça c'était de la merde. Clémor, étoile de pierre d'éclabaton, revers bouclier en bois flamboyant, épée courbée d'homme bête, soin, rejet saut. De griffure et rempart, ok. Et le gourdin, ok. Bon, je pense qu'on va partir sur l'arme du DLC. Je pense qu'on va partir sur ça. En plus, l'armure, elle a l'air forte. L'armure que le personnage porte là actuellement. Je pense que c'est... Si, il a une couronne quand même. Après, il y a l'arc serpentin. Donc quand même, je commence avec un petit arc et des petites flèches. Hein. Ça, c'est cool. Hein. Ah oui, et les legs ont été randomisés aussi. C'est-à-dire que les trucs de départ... Ah ouais... la run elle est goldée là en fait, c'est la run. Donc je rappelle que vous avez dans, si vous êtes sub, vous avez le drapeau, donc je veux le voir. Si chaque minute il n'y a pas des drapeaux, ça va pas aller. Et vous avez aussi, c'est la run. Voilà, on retourne comme au bon vieux temps. Et Gino a déjà fini le défi et il l'a first try. Comment tu vas Tintinge? Ouais, super matinal. Parce que du coup, aujourd'hui c'est la fiesta dans Paris. Mais non mais c'est pas le bon drapeau Ilgor. Bon, 1v1 tout à l'heure. Le véritable MV1. Donc, héritage de l'épéiste amputé, ça augmente de 5 points ma dextérité. Ça, c'est top. Malédiction du semi, rien à foutre. 6 pierres à lancer qui explosent et infligent des dégâts de feu, rien à foutre. On n'invoque pas, donc rien à foutre. Des runes, ça peut être pas mal pour le start. Mais franchement, je vais prendre direct le bouclier. De la raviole. Ah, putain, la patte de poulet dorée. Ah, j'ai aussi celui-là. Putain, j'ai héritage de la divinité extérieure et héritage de l'épée amputée. Bon, je prends la dex. Parce que j'imagine que ces armes, c'est une arme dex. Donc c'est parti. Let's go. On y va. Ouais, c'est ce drapeau. Je le crois, c'est la run. Merci, Tintinge. Merci, Ilgor, j'avais pas vu.
C'est ces drapeaux-là, ouais. Mais écoute, j'étais ultra pas content de retrouver Elden, Tintinj. Et en vrai, là, je suis content. En fait, j'ai un but. La différence avec ce qu'on a fait en découverte DLC et puis après faire des runs à contrainte, c'est que là, ça va être différent à chaque partie. Donc, ouais, je suis content. Pour le coup, le fait que ce soit différent à chaque partie, très très heureux. Anneau de Mickey, là. Ah, on débloque ça dès le départ? Je savais même pas. Putain, vas-y, j'avais envie de courir avec... Ah, putain, j'ai les touches de Wukong en tête. À l'aide. Ok, donc attendez. Déjà, début de partie. J'ai ceci, ceci, ceci. Combien j'ai en termes de... Merde. En termes de protection, j'ai combien? 20% de protection, ok. Moi, ce que je voulais faire, c'était virer ça d'ici. Et le mettre... Donc là, il va y avoir soin, magie, fiole de salut miraculeux. Donc moi, je le mets là. Voilà. Ok, nickel. Bon, et vous, ça vous fait plaisir que j'essaye le défi ou pas? Parce qu'en fait, là, tout le monde fait la guerre. J'ai même vu Forza qui a quitté Wukong pour faire la guerre. Et moi, je vous avoue, ça me fera du bien de faire une première partie Elden. Deuxième partie, un autre jeu. Voilà. Pas tombé quand même. On est en Odesse, on le rappelle. Donc attendez, je connais pas le moveset de cette arme. Ok, donc ça, c'est que des R1. Ok, le R2, fais voir. Ouais, c'est pas hyper... ok, il y a une attaque chargée ou pas? Ah ouais! Et tu peux les enchaîner? Ouais, un peu. Et il y a un weapon art dessus? Attendez, je veux pas tomber dans le vide. Ah ouais! Attends, mais ça fait du saignement, ça? Accumule saignement, ça a l'air hyper fort. Ah mais on peut pas mettre de cendre de guerre dessus, merde. Mais quand même, il y a du saignement dessus, donc c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Le moveset a l'air cool. Attendez, je saute avec triangle. Ouais, c'est ça, je saute avec triangle. Je fais quoi avec carré déjà? Ah oui, j'utilise l'objet. Croix, je sais plus ce que c'est. Putain, Wukong quoi. Wukong de merde. Avec ça, je me protège. Ok. Ok. Ouais, je sais à peu près comment on joue. Ouh, la chimère de foie. On va voir en combien de coups elle me déchire. Attends, je vais quand même essayer mes armes. Voilà. Tu peux enchaîner le Weapon Art avec des attaques. Ah oui, donc je fais Weapon Art L1 ou Weapon Art R2 et ça enchaîne des trucs. Attends, on va tester. Est-ce que là, on va tester? Putain, par contre, le problème, c'est les touches. C'était quoi la musique? Ah oui, j'ai randomisé les musiques, je crois. Ok, bon, setup cap, c'est parti. Weapon Art L1. Attends, Weapon Art R2. Oh les dégâts. Oh les dégâts de saignement. Salut Little Meshiro, coucou. Bienvenue, je te découvre aujourd'hui. Je trouve ce défi tellement fun que je regarde dès que quelqu'un le fait. Oh, ben écoute, tu es matrixé, ça veut dire. Parce que quand en fait on l'a commencé, enfin moi c'était début janvier que j'ai commencé le défi, je passais ma vie sur les streams de tous ceux qui faisaient le défi. Et du coup je l'ai réussi deux fois d'affilée. Donc n'hésite pas à follow hein, pour le skill. Uniquement pour le skill bien sûr. Et on est 8003. Merci pour les 8000. Alors on a passé, en fait, quand j'ai quitté mon stream sur les écureuils. Merci, Little. Attends, comment? C'est Little Yumeshino, c'est ça. Merci beaucoup pour le follow. Quand j'ai quitté mon live sur les écureuils, il y a un mec qui, effectivement, s'est désabonné. Donc, ça s'est retombé à 7999. Et du coup, pendant que je streamais pas, vu que j'ai une chaîne YouTube, il y a des gens qui me suivent sur Twitch quand je stream pas. Et bien, du coup, bah, c'est remonté. Et là, on est 8004. Merci beaucoup. Merci tout le monde, franchement. Ouais, arme sombre, du coup, ça pue du cul. Hein. Bon, après, c'est pas grave, parce que j'ai au moins un truc qui fait du saignement pour aller buter le dragon. Et une arme normale, du coup, que je viens de trouver direct. Bon, notez bien l'acide, hein. Run Goldeon en préparation. Oh putain. J'ai eu ça. Le marteau de guerre putréfié. Incroyable. Et du coup, tu le tentes, toi, Little, le défi ou pas du tout? Parce que ça va bien d'être matrixé. Mais quand même, il faut jouer aussi. Ok, Adula. Bon, ça va. En vrai, ça va. J'ai juste peur qu'il me voie à 700,
juste à 2 mètres et qui me crache de la magie à la gueule, quoi. Assoyons-nous. Il a une site goldée, la Mich aussi. Il était à combien? Parce que je l'ai vu à... Je l'ai vu attaquer un stream, je crois, hier. Il était à 108, un truc comme ça. Bon, il va falloir courir, monsieur. Il va falloir courir. J'aime bien mon armure. J'aime bien mon look, là, de personnage. C'est un des premiers défis que j'attaque avec un joli look. Je me suis pas assoyé. Merde, comment on saute déjà? Ah oui, c'est triangle, putain. Voilà, là. Et Wukong qui est passé par là, hein. La mémoire musculaire, elle est sur Wukong, elle est pas du tout sur Elden, là. À l'aide. J'ai commencé ma première run découverte il y a quelques semaines, j'apprends encore. Ok, ouais, dac. Ben, si un jour tu te lances sur le randonnodes, tu verras que c'est très ingrat. Mais c'est ultra fun, ultra valorisant aussi quand tu y arrives, c'est vraiment trop bien. Moi, je dis, jusqu'à 110 boss, la run, elle est inintéressante, là, par contre. Elle est merdique. C'est faux. Pas vraiment merdique, mais elle est pas hyper... Ah bah oui, calé. Mais j'ai pas randomisé les couleurs. Pourquoi t'as les couleurs randomisées, connard? Pourquoi il est randomisé en couleurs, lui? Oh, calé qui va encore se faire des burnes en or avec les achats des indices. C'est putain de calé, quoi. Alors achetez, voyons ce qu'il vend. Oh putain, wow. Et j'ai même ça pour aller niquer des dragons à l'arc. Et ça vaut 800, le bras démon sanglant. 144 boss, ça m'a choqué. Et puis on a trouvé l'arme du build. On va essayer d'optimiser ça un petit peu, quoi. Le bon jambon, ouais. Non mais attends, premier truc à vendre, le bon jambon, quoi. Le jambon. Qu'est-ce qu'on a d'autre, quand même? T'es, ouais, j'ai un truc avec les pierres de forge. Ouais, que je me le remette. Là, j'ai une pierre 8. Ok. Et j'ai une pierre 6, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc j'ai un compteur de pierre de forge, là, c'est cool. Achète numéro de seed, prix à discuter en MP. Ok, avec plaisir. Vous avez vu, il y a même le truc de Dane, de Mortefleur, pour faire du cac. Putain. Ok, bon, du coup, j'ai quand même... En fait, j'ai un truc complémentaire, c'est-à-dire que j'ai les flax. C'est le même mot quand je fais caca, je fais des gros flax. Et en plus, j'ai le jambon. Donc, parfait. Contondant et perçant, non? Et tranchant. Contondant et tranchant. Salut Flex, j'ai les flax. C'est mes armes. Et salut XLVN, comment ça va? Salut le mec qui est allé à Moulinsart. Ouais, c'est vrai. Mais c'est pas le vrai Moulinsart. Le vrai Moulinsart... Épée. C'est vrai qu'il y a le DLC dans le jeu. À l'aide. Bon, on a ton jambon là-bas, mec. On va aller le chercher. Il me faut absolument le poney, sinon je vais crever. Il faut absolument que je meure pas. T'en fais voir. Putain, j'ai que 10 en vigueur, c'est que dalle. Je me suis un peu chauffé, je crois. Ok, des rémiges. Une pierre 7. Incroyable. On a déjà 8 et 7. C'est la run. Je sens que, par contre, Calais, c'est goldé. Mais je vais avoir du loot de merde tout le long, à mon avis. On va jouer en plus 0. Le plaisir de faire une run comme ça en plus 0. Ah, j'ai pas pris la perle. Attends, récupère le pot. Et après, on va chercher la perle. Là, j'y vais pas. Par exemple, vous voyez, il y a ce mec-là. L'absolu run killer pour aller chercher un objet qui est commun. Légendaire. On a un légendaire ici. On a Jean-Michel. On ira en poney. Hein? Je rappelle que quand même les morts fonctionnent, donc vous avez les commandes point d'exclamation mort 01, 02, 03, 04, 04, 05, etc. jusqu'à 15. Donc si vous voulez revoir mes anciennes morts, vous pouvez taper point d'exclamation mort avec le numéro de la mort que vous voulez voir. Vous savez comment on fait des super sushis? Il faut du riz beau et bé. Oh, on a un clown. On a quelqu'un qui a mangé un clown. Même il s'est endormi avec un clown à l'intérieur de lui, je croyais que c'est le VN, et le voici. Ah ouais, putain, c'est vrai qu'il y a Rold. Vous vous souvenez là de mon back-to-back-to-back avec Rold qui était sur les mecs à l'Urniao là? L'enfer quoi, j'accepte.
Ah, Lélène. Déjà 10 mois. Le temps passe vite. D'avance, m'envelais pas si je dis du caca. J'ai la tête dans le cul, Lélène, 14 cœurs, Lélène, 14 cœurs. T'as joué toute la nuit, Lélène, ou quoi? Merci, Lélène, pour les 10 mois. Putain, ça fait 10 mois. Ben voilà, ben du coup, ouais, ça fait... C'est ouf. Attends, mais Lélène, du coup, ça veut dire que tu me sebais avant que j'attaque la Nodes? Tu me sebais en novembre, du coup? Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. On va dire, allez, décembre alors. Putain. Prends le schéma lénien avec le médaillon secret chez le R. Udgor, t'es pas loin du ban. T'es pas loin du ban avec une phrase comme ça. Non mais à l'aide. À l'aide. Donc là, on met le poney. Et là, ça va revenir tout seul normalement. Mais oui. Allez, c'est bon. On va aller choper le légendaire qui est là. Un petit souvenir. Allez, un petit 50 000 là. Un petit 50 000. Un petit souvenir d'Elden Beast. C'est pas mal, non, ça? Flamme électrifiée de Bale. Ok, nickel. On va aller sous terre. Par contre, les 10 en vigueur. Bof, hein. Bof, les 10 en vigueur. Ne vous inquiétez pas, je gère, hein. Un ours, c'est rien. C'est comme si c'était, vous savez, les petits trucs en forme de morve. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je me suis pas du tout fait dessus. Mon pouls n'augmentera pas, d'ailleurs. Hein. Vous verrez. Ah, le nécessaire de couture. Au moins, je suis content. Je ne vais pas le choper sur un putain de boss. Je m'énerve pas. Trop bien, un sort. Donc là, ce qui est cool, c'est que, regardez, dans ces escaliers, on peut prendre le cheval. Et du coup, bah, ça permet de, hop, de se casser vite, vite. Voilà, on va refaire rip-hop la zone et on va aller chercher la perle de Calais, du coup. On va ouvrir, du coup, ce coffre-là aussi. Et Lin-Lin, t'es pas prêt. J'ai les flax en starter, d'accord? Et j'ai le jambon chez Calais. J'ai le fameux jambon. Après, je l'ai jamais utilisé, le jambon. Mais quand même, je l'ai chez Calais. C'est one shot, hein, ce truc-là. C'est absolument... Non, mais c'est... elles sont goldées, ces armes. Les lances de Radahn, ok. On va aller faire l'autre, peut-être. L'autre coffre, là-bas. Il y a un méga crabe de sommeil de l'espace, ok. Et on a un mec qui explose. On va y aller, peinard. Mort. Ah, il y a ça là, ok. Qu'est-ce que c'est? Hop, on va se reposer là et go chez Calais chercher la perle. Nickel, tu as le jambon plus la trancheuse. Mais c'est bon, je vais pouvoir faire des tranches, des petites tranchettes. Qui veut des tranches de jambon et combien ici? Je pense que Flex peut-être une tranche de jambon. XLV, une tranche de jambon peut-être? Igor, peut-être deux tranches de jambon, trois tranches de jambon? Plutôt fine, moyenne ou grosse? Hein? Qui veut une tranche de jambon ici? Ah oui, hein? Je veux du jambon, hein? On va chercher la perle de Calais, du coup. Non merci, bon, mais merde! À qui je vais refiler mon jambon, moi? Là, on parle. Ok, ok. T'es la dame qui fait chier. Qu'est-ce que tu vas me donner? On me drague, là. T'es du jambon de pays, hein, je précise. C'est pas du jambon blanc, hein. En effet. Ah, cool. Bon, moi, les boss qui me terrorisent dans cette run, c'est toujours Gideon, toujours Malenia, Bale. Alors, ouais, les 42 boss du DLC, du coup. Et puis d'autres, plein d'autres, finalement. Ouais, quasiment... Moi, je dirais il y a 80% des boss qui me font pas peur. Recevoir la perle. Ça, c'est tellement la feature du randomizer. Recevoir la perle. C'est tellement le truc qu'il devrait mettre dans le jeu de base. Salut, Skynor. Toi, tu veux le jambon en entier? Mais comment on va faire si Flex en veut, du coup, Skynor? Du coup, j'ai joué vif cette nuit, histoire de faire 70 boss. Ah ouais, putain, Lin-Lin, 70 boss. T'as joué à BO6 un peu ou pas la nuit, là? Putain, des trucs électriques à LED. Putain, mais les mobs du DLC, en fait, non. Je suis tellement pas d'accord qu'il y ait les mobs du DLC dans le jeu normal. Rentrez dans le DLC, en fait. Rentrez chez vous. Putain. Ouais, Flex, il est dans la merde, il aura pas de jambon. Pire 2. J'appuie sur les boutons. Parce que j'ai la flemme. C'est parti. Salut, Blancal. Comment ça va, Blancal, bro? Il est là, le bro. Ben voyons. Comment ça, ben voyons? Je sais plus de quoi on parle. Du coup, je sais plus si on parle de jambon ou de DLC. Non, t'as pas joué au final?
Ouais, on testera d'ici au 4, ça te va, Lélin? Bon, là, aujourd'hui, ça va être très compliqué, puisque du coup, je cut le stream à 11h. Ensuite, je vais à la gare récupérer Romain Jacques. Ensuite, je bois jusqu'à 4h du matin, et demain, je décuve. Pourquoi j'ai l'impression que je suis lent? Oh putain, j'ai l'impression que je suis lent, c'est horrible. Parce que je connais plus les touches, en fait. Ah, cool, je vais pouvoir m'asseoir de côté. C'est la run. Bon, on parle, mais quand même, on a des pierres sombres, là. Regardez. Regardez-moi cet inventaire qui est magique. On a la pierre 2, la pierre 5, la pierre 7 et la pierre 8 à vendre chez Calais. En sombre, en tout cas. Allez, on va mettre le jour. Parce que c'est la sauce, sinon, si j'arrive chez Bernal la nuit, on sait jamais. Faire passer le temps jusqu'à midi. Midi, c'est bien. Midi, au moins, t'es sûr qu'il fait jour depuis avant et qu'il fera jour après. C'est parti. Let's go Calais. Non, let's go Bernal. Putain, j'ai confondu Calais avec Bernal. Mais oui, mais parce qu'ils sont... Ils sont pas là, normalement, Ilgor. Ils sont pas là. Décuver en tuant sur des gens, sur Black Ops 6, est-ce que c'est pas ça, le sens de la vie? Si, c'est ça. Mais le truc, c'est que... Moi, de toute façon, je vais pas trop picoler. Hein. Aujourd'hui, là... Ouh, la pierre 9. C'est bon, c'est la run. On va pouvoir améliorer les flax. Les flacly flex. Des papillons flamboyants, superbe. Des jambières de putréfiés. Ok. On va rester en poney. Parce qu'en plus, on a Jean-Michel là-bas qui demande qu'un truc, c'est nous arracher la gueule avec ses merdes. On va faire ça. Ouais, ce qui est un peu relou par rapport au run que j'ai pu faire, du coup, la précédente, c'est que le leg est randomisé. Et à l'époque, moi, je randomisais pas le leg. Vous savez, c'est le starter du départ. Putain, le pléonasme, quoi. Et ben, du coup, j'ai pas la graine dorée pour avoir un soin supplémentaire quand j'arrive. Donc, concrètement, il y a un boss ou il y a un objet clé qui me donnera une graine dorée. Du coup, à l'aide un peu. Ouais, mais Black Ops 6, là, il me tarde trop. Il a l'air trop bien. J'ai vu Skynor qui jouait un peu là. Ouh, putain. Alors, attends, la 2JV, la 7G. Là, il y a deux pierres 3. Et une pierre 5, ok. Et le truc de Malikette. Bon. Ouais. Il est bien. J'ai presque envie de lui péter la gueule maintenant, mais non, je suis pas assez fort. Tu peux avoir une popo de soins supplémentaires en virant ta popo de mana. Putain, Ilgor, il est dans d'autres strates, Ilgor. Tu as raison. Et je vais le faire. Répartir les doses. Merci. Ah, oh, c'est comme avant. Oh ouais. Oh putain, merci. J'y avais même pas pensé, quoi. Oh, je suis nul. Je m'en vais. Ok, donc on va aller voir ce qu'il y a à la place du serment doré. Hop, let's go. Et puis on est en setup cacap, hein, donc en gros dans une heure, mon setup il est fini. À peu près, quoi. On pourra peut-être commencer à aller taper des boss. Peut-être pas une heure, parce que là je suis très très lent. Mais ouais, une heure et demie, un truc comme ça. Je suis très heureux de faire ce défi, là, que ça fonctionne en fait, le randomizer. Le randomizer, ça me chauffait pas de le lancer si c'était pas randomisé avec les trucs du DLC en fait. C'est pour ça que j'ai pas lancé avant. J'en avais marre aussi. Ouais, le setup caca, ouais. Mais c'est très important de faire un setup caca. Hein. C'est très très important. Hein. S'asseoir, baisser la lunette, tout ça, tout ça. Mourir. Il va disparaître, on est d'accord. Bien sûr. Il est en train? Non, même pas. Oh, trop bien. Ah, cool. Clé lame de pierre gratos. Putain, il a pas disparu. Je pensais qu'il disparaissait. Je pensais que j'aurais pas le temps de le faire. Alors attendez, parce que là, faut pas se chier. Sinon, on fait un petit splash. Ah oui, il y a point d'exclamation splash aussi, si jamais vous voulez rigoler. Donc c'est là, hein. Moi j'ai jamais sauté de là, mais on va tenter. Voilà, premier try, ok, first try, du coup. Si le bousy meurt pas, tu meurs pas. Saute, t'inquiète. Ah, vous pouvez sauter en face, ok. Attendez là, attendez, parce que là, il y a les mecs du DLC. Il y a un loup, ok, là il y a quoi? Normalement, il y a des trucs là. Je crois qu'on peut descendre sur la toile, hein, sans crever, mais on va pas le tenter. Parce qu'on est des peureux, nous, ici. Nous, ici, ce qui nous maintient en vie, c'est la peur, ok.
c'est la peur, la frousse, les fouets comme on dit. La cagagne. Je vais mourir sur un loup. Une merde. Putain, mais les 10 en vigueur, c'est que dalle. Vas-y, je me casse. Le coffre, on s'en bat les steaks. Je vais aller récupérer ça. Let's go. Oh putain, truc de putré. À l'aide. Oh, j'ai vu qu'il y avait un bug sur le boss tournesol, non? C'est ça, il a pas sa P2, il a pas sa P3. Ça fait chier ça un peu, non? Ah, tu t'es bien marré avec le splash. Non, mais le splash... Je crois que c'est pas Owa qui est mort comme ça hier. Attends, point d'exclamation splash, fais voir. J'ai fait là une mort comme ça, ouais, il y a longtemps. J'avais une blasphée plus 8 là. J'avais une blasphée plus 8. Des bons moments, des bons souvenirs. J'ai pas bugué, hein. Je suis dépité là. Le dégoût. Est-ce que je bute Alexander ou pas? Non, on va au moins l'aider. Ah ouais, il compte pas, hein. Lin-lin. Il compte pas. Il faut le faire en stream, le randomizer. Il faut des preuves. Hein. Il nous faut du palpable. Ah mais le splash de Galdra, Ilgor. Si tu l'as, vas-y, je prends. Merde, mais j'attaque avec carré du coup, je suis une grosse merde, je sais plus attaquer. Oui, j'ai exultation de joie, on pourra exulter. Toi, tu trouves que c'est le meilleur PNJ du jeu? Ah ouais, c'est ça, je l'ai vu en live ça. Ah, faut qu'on le voit. Le truc de Galdra, c'est goldé. On n'entend pas. Okay. Oh. Oh putain. Putain. Putain, incroyable quoi. Le lancer jeté quoi. Mais ça me tue parce que presque son personnage, il met la main en avant comme s'il allait s'envoler, quoi. Ça me fume. Incroyable. Ah, j'ai monté le son. En fait, le son, il était bas. De ouf. J'étais à 60 sur 100, alors que d'habitude, quand je stream Elden, je suis à 80. Putain de défi de con. Pourquoi je me suis mis là-dedans en janvier, bordel? Maintenant, j'ai envie de le faire. T'as un 207, ça va être chaud. Quelqu'un est déjà allé dans le DLC, là, des streamers que l'on connaît. Quelqu'un est déjà allé dans le DLC avec... Putain, mais je me fais bully par un mouton. Non, mais en fait... Crève, quoi. Oui, papa. Salut, Pépan. Comment pas mal, Pépan? Merde, putain, il veut pas lire, ce connard. Attends. Ilgor a pris un abonnement de niveau 1. Faut dormir, monsieur Zorn. Non, c'est pas du tout ça. La journée risque d'être longue. Pas du tout ça. Ah non, Wuzi, ça veut pas. Ça a pas voulu. Mais copie-le, copie-colle-le dans le chat, on va le faire lire. Comment tu vas, Wuzi? Ouais, c'est 100 ici. Salut, le petit Manu, comment tu vas? Coucou. Oh, is there anything? Alors, acheter. Qu'est-ce que tu vends, toi? Oh putain, oh putain, oh putain. Mais il me vend toutes les armes du DLC. Oh putain. Oh putain. Non mais c'est goldé. Bon, on fera l'inventaire des marchands plus tard, mais la run elle est belle. Hein. Déjà le starter, en fait j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les armes, j'ai pas les pierres, hein. Il me faut les cailloux. Il me faut la caillasse putain. Pour la caillasse putain. Donne-moi de la caillasse putain. J'avais oublié que c'était 100. Et ouais, ici c'est deux fois les prix d'ailleurs. Donc rien. Allume Pépan. Alors attends, vas-y. Je vais lui faire lire. Vous y tirez baffle pas dit, salut Stéphane. Ça me fume. Putain, ouais ça va, merci vous y, je me suis mis dans le 207 à l'aide. Je me suis mis dans le défi Peugeot quoi. Ça va bien Ultimanu.
On fera Wukong en deuxième partie de live quand je jouerai en semaine. Aujourd'hui, c'est que Elden, d'accord? Mais on fera Wukong en deuxième partie de live. On va aller à Kaelid. On va aller débloquer le feu de Kaelid. On fera les cimetières après. D'ailleurs, j'avais jamais joué le bâton putréfié et c'est très fort. C'est quoi déjà le bâton putréfié, l'Enlem? On ne dit rien. Qu'est-ce qu'on a là comme mob? Moi, ça va, c'est des mobs normaux. Et comme boss? Ok, c'est un putréfié, justement. Ok. Bon, ça, c'est boss gratuit. Hein. Entre guillemets, c'est pas mal d'avoir des boss gratuits dès le début parce que ça permet d'aller récupérer des objets clés. Salut Slykaz aussi sur YouTube, coucou. Salut à ceux qui sont sur YouTube. N'hésitez pas à passer sur Twitch si jamais. Je suis en All Bosses No Death. Randomizer, donc tous les boss sans mourir avec le randomizer des objets et des mobs et des trash mobs activés et des boss du coup. Donc 207 boss sans crever. Et merci à Kubawara pour le follow. Bienvenue Kubawara. D'accord, hein. Pas facile de passer d'une mécanique à l'autre. Ah ouais, c'est ce que je disais, c'est que j'ai la mémoire musculaire de Wukong dans Elden là, donc ça va pas du tout. T'es Pierre Forge fera 3, ok. Et frappe pieuse, ça c'est très cool. Des gros dégâts sacrés et récupération de vie. Donc ça c'est très très bien comme weapon art. Ce qu'il y a de bien c'est que je connais ultra bien le jeu avec mes 1300 heures d'affilée. Du coup, je suis quand même assez content là d'en être à ce niveau là plutôt qu'en janvier où j'avais que 400 heures et je découvrais tout. Tout. Comme une merde. Putain, il y a des vers. Regardez, il y a les vers. Ah ouais. Oh, Kaelid. Oh, c'est roux. Oh. Kaelid, quoi. On y est. Ah, t'as appris quoi sur Elden, l'Enlem? Ouais, c'est un bon God of War-like en vrai. T'as le homme de Iji et le clocher d'Elfen. Ouais, oh, putain, non mais. Qu'est-ce que c'est que cette run? Bon, j'ai le feu. On va retourner là pour aller faire les cimetières du coup. Let's go. Salut Mister Toto. Coucou, Mister Toto. Allez, les cimetières. Alors ouais, pour ceux qui viennent d'arriver, j'avais ça en starter. Donc c'est les lames de Flax. C'est des armes sombres. D'accord? Qui permettent de faire un weapon art comme ça. Ok, avec du saignement. Et chez Calais, j'ai le jambon. Donc l'arme colossale qui fait des dégâts de saignement, qui fait des dégâts insane tout court même. Donc je peux pas me plaindre. En tout cas niveau starter je suis bien. Niveau ah ouais là par contre je pense que je vais la jouer safe. Putain mais les 10 en vigueur par contre ça me terrorise. J'ai pas de vie. Oh putain j'y ai tellement cru à la vague d'Astel. Vous imaginez si j'avais eu la vague d'Astel? Grand gourdin. Oh, est-ce que je vous ai déjà parlé de mon grand gourdin que je viens de récupérer? Est-ce que je voulais que je vous parle de mon grand gourdin? Salut à Pistar, coucou, comment tu vas? Oui, si tu mets le matin, le mausolée bouge pas. Ça, j'ai découvert ça chez Erastem, ouais, justement, c'était il y a quelques jours. Et du coup, ouais, c'est vrai que si tu mets le mausolée, si tu mets le matin, le mausolée bouge pas. Ça, c'est très intéressant comme mécanique. Ça évite de mourir. Bawara. Le truc bien aussi, c'est que Wukong fait pas de QTE. Ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de QTE. Là, je me souviens plus comment on fait. Et je vais pas le tenter. Je le tenterai, je pense, hors caméra. Donc, on va aller faire le tour. Rien à foutre. La question, c'est si tu es gifted ici, où vas-tu être cursed? C'est ma théorie, ça, Ouzi. C'est-à-dire que... plus tu es verni en termes de loot, pour moi, dans le randomizer, et plus le reste est à chier. Plus on te donne de trucs, et plus le reste est à chier. Donc à mon avis, soit ça pue sur les boss, genre géant de feu P2 à la place de Radan Prime, voilà. Ça c'est un traumatisme à mon avis, si quelqu'un le vit. Ah non, il y a ces mecs! Mais non, mais il y a ces mecs! Non... Ah ouais, ils peuvent te stopper à tout moment et te faire tomber à tout moment. Ouais, le manoir de Caria. Ah oui, je rappelle un truc, c'est qu'il y a les, du coup, il y a les veilleurs des abysses qui sont,
qui sont des mobs normaux. Donc c'est-à-dire que tu peux trouver un mec... Putain, je sais pas où on tombe, je sais jamais où c'est. Vous savez les mecs de démence qui vous one-shot là? Mais du coup ils sont là, là. Ils sont randomisés dans le jeu n'importe où. Et c'est du one-shot de n'importe où justement. Ouais, ouais, il y a ça aussi, putain! Bon, ça, ça va en vrai. On va récupérer le tableau. Oui, mais je les appelle les veilleurs des abysses parce que ils ont l'air de veiller. Et ils sont dans les abysses, c'est pour ça. Putain. Putain. On a un bon setup, hein. Franchement. 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 Et on a quoi? On a un autre cimetière de ce côté, du coup. Mais oui, mais oui. Mais oui. Là, là. Je me souviens pas. Oui, c'est là. Non, mais moi, ça me terrorise, cet endroit. Oh, le légendaire. Hein. Allez, un souvenir de Dead Beast. Comme ça, je mets des levels dans ma vigueur. Maintenant, j'ai compris. T'as vu, Lenlen? Je mets mes premiers levels dans la vigueur. Et plus dans les stats. Ok. Donc, le muguet, c'est du scam, hein, pur. Ouais, ok. Donc, ça aussi, c'est de la merde. Cool. Un muguet. Peut-être c'est sur les pierres que je vais être curse. Cursed. Le muguet, ouais. Le grand muguet, là, je... Bracelet de danseuse. Super. Rien à foutre. Et de la graisse. Après, les graisses... En vrai, les graisses du DLC, dans le jeu de base, à mon avis, ça doit faire des gros dégâts. Je pense que c'est un truc dont il ne faut pas se passer. Tac. Tac. On va regarder ce qu'il y a là. Putain, je suis beaucoup moins serein que d'habitude. Je pense que c'est le fait aussi d'avoir joué à Woo Cake. À l'aide. Oh, putain de démon. La faute de la nuit à l'aide. La faute de la nuit à l'aide. Disque vigueur, putain! Ça va. Le RRRRR. Tout va bien, hein? Tout va très bien. Salut à la store. Comment tu vas? Ribot du matin, ouais. C'est Dark Ribot, le ribot du matin. Je coupe à 11h. Ok. Des ravioles. Putain, je suis d'une lenteur, mais extrême. J'ai envie de me tabasser. C'est tout. Si tu veux, je connais un dragon. Un dragon 2. Ah oui, ben oui. On y va. C'est frétille. Gauche et frétille. Ah bon. Pierre 7x3. Ça, c'est très important. On va s'équiper de la fiole. Ah ben c'est bon, ça s'est fait tout seul. Nickel. Bon, on va finir le setup du coup, 4-8 et compagnie, parce que 4-8 c'est objet clé. Donc on va y aller. C'est par ici, on va passer par le marchand. Le feu. Je mets quand même des points sur la carte parce que du coup je suis perdu. Pourquoi j'ai l'impression que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué alors qu'en fait ça fait pas si longtemps? Salut Dofi. Salut Lilou, comment vous allez? Coucou Dofi, coucou Lilou. Bienvenue. Bon matin à vous. Monsieur Ribou, je me suis fait un plaisir avec le randomizer. C'est-à-dire. Dis-nous tout, Dofi. Ah merde, ta femme est malade, qu'est-ce qu'elle a? J'en parlais hier, là, je me disais, en vrai, je suis vénard, je suis jamais malade. Never. Never ill, comme on dit. Personne dit ça. Sauf moi. C'est faux. C'est dur de suivre. Ah bon, j'en ai rien à battre. Ah bon, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien. Ah ouais, vous imaginez un streamer comme ça? Ah, ah ouais. Ah ça en vrai, ah ça je suis content, hein. Ça c'est quoi? Ah ça c'est bien aussi, hein. Putain mais c'est goldé ma run. Est-ce que vous pensez que je suis choyé par le randomizer parce que c'est ma première run? Possible. Oh putain. Putain. Mais non. Reviens. C'est un gros loup ça. Un sacré loup même. Putain mais les 10 de vigueur. Putain, deux coups je meurs quoi. Tenez. Ok, des dagues. La rondade. Kong. Nickel. Kong. Ça va bien Lilou, merci. Ça va très bien. Ah, t'as remplacé tous les ennemis par Mesmer, ça bug pas. Dofi. La Mesmer only. C'est la Mesmerde surtout.
Tu peux retirer ta fiole de mana par contre pour éviter les problèmes de mauvaise potion quand on veut soigner. Non, parce que du coup je suis beaucoup trop habitué à avoir la fiole de mana. Donc en fait ça va plus me perturber de l'enlever que de la laisser. Recevoir la perle. Acheter. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends des trucs goldés? Ouais, pierre 4. Ok. La torche anti-bête, très important ça. Et pierre 5, mais j'en ai déjà une en sombre, ok. Bon, il est pas mal, mais il est pas ouf. Broncopharyngite, eh bien. Putain, c'est costaud. Qu'elle se soigne bien, on dit Ilgur. On va remettre le jour. Hein. Alors pour l'instant, c'est stable de mon côté. Après, j'ai une machine de guerre en guise de PC. Ouais, après, des fois, c'est carrément le jeu qui crache. Moi, j'avais fait un truc, vous vous souvenez, j'avais fait remplacer tous les ennemis par des boss. C'était abominable. Le PC, il crache en permanence. Salut The Toxic Grizzly, coucou, comment ça va? Ouais, courage à elle, à la store. Courage à Phyllis. Salut Aaron aussi, coucou sur YouTube, salut, bienvenue sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions. N'hésitez pas à passer sur Twitch tout le monde. J'ai pas lancé TikTok, je pense que je vais FF les lives TikTok. C'est vraiment beaucoup trop compliqué en fait les lives TikTok. J'ai pas de vie. Je n'ai pas de vie. On va tuer le boss du château. Oh putain. Il a sauté dans le vide. Vous avez vu, alors il est pas mort. Mais il a quand même sauté dans le vide. Attendez, le chef est mort. Je me casse du coup. Tout va bien. Tout se passe bien. Attendez, bruit de paix. Ça c'était celui d'Apistar. Et celui-là c'est celui d'Anderson. Et JGM qui balance son cinquième mois, JGM. Merci beaucoup pour le cinquième mois. Merci infiniment. En niveau 1. Merci beaucoup. Mais il y a que des squelettes. Vas-y, je peux me TP ou pas? Ouais. Donc là, vu que j'ai tué le boss du château, il n'y a plus d'ennemis dedans. Ça, c'est bon à savoir. Donc je peux y retourner, mais safe. Regardez ça. Il n'y a plus un seul ennemi. En fait, c'est quand on tue le mec qui est sur le balcon, là, après l'escalier. Alors, Aaron, sur YouTube, c'est quoi ta question? Mon petit ribot, tu connais comment faire la quête Millicent? Alors il y a... Non, je... Oui. C'est quoi? Est-ce que je connais la quête de Millicent? Ouais, je l'ai faite, mais je m'en souviens plus. Je m'en souviens pas, elle est trop longue. Beaucoup trop longue. Salut Kalia. Oh putain, je suis dans le train. Ah bon? Kalia qui a à peu près le moins de train possible. T'es en TGV ou pas Kalia? Coucou, putain, Kalia, c'est la fiesta. Ouais, pendentif de Ria, j'en ai rien à battre. Ah non, c'est pas mal en vrai. Parce que je vais pouvoir le lui donner à Lurnia. En Wigo, ok. Kalia, ok, ok. Ben moi, je suis reparti sur la Holbosis Nodes, Kalia. Et merci du coup pour le 13e mois. Putain, ça passe, hein, c'est abusé. Hein. Lana, il a fait les 10 mois aujourd'hui, là. Abusé, quoi. Mais même, quoi, enfin, il y a des pseudos. Je me dis, mais j'ai l'impression que ça fait... Ça fait pas longtemps, mais en fait ça fait méga longtemps. Hein. Même Ilgor quoi, 7 mois. Abusé. Comment ça va Timio? Coucou. Salut à ceux qui arrivent. Pour Elden Ring. Clin d'œil, clin d'œil. Bah oui, vas-y, moi je t'ai crotte de nez dans le train, y'a aucun souci. Hein. Bah, moi ça me choque pas. Il a été prouvé scientifiquement. Scientifiquement. Ça veut dire que c'est des gens qui ont testé. Que manger les crottes de nez des autres, ça augmente tes propres défenses immunitaires. Donc n'hésite pas à goûter les crottes de nez de tes voisins de train, Kalia, n'hésite pas. J'espère que tu l'as entendu, c'est vrai que ça n'a pas bugué. Ah ouais, T2 en plus. Putain, mais merci quoi, Kalia. Kalia qui a lâché le T2. Merci beaucoup.
certain que tu te laves les mains avant de nous toucher. Et franchement, on est pas mal sur le setup. Il me manque juste un truc, c'est des pierres une, hein, l'air de rien. Pierre une et pierre 2. Ah, pierre sombre 4, pierre 7, alors j'en ai des milliards maintenant. Ça va la run clé lame de pierre only là, c'est bon? Parce qu'en fait, il n'y a que ça pour le moment. Para el momento. Finalement, ça fait tellement pas longtemps que j'ai fini le défi que c'est encore frais dans ma tête par rapport aux autres qui ont fini trop vite. C'est comme si j'étais sur ma run, genre j'ai fait 2 semaines de pause et puis finalement, bon, tout va bien quoi. Salut Martouf, comment ça va? Crotte de nez du chat? Je sais pas comment on peut récupérer des crottes de nez de chat. Ça doit être très compliqué. Hein. Cure-dent à mon avis, parce que les narines sont petites. Hein. Oui, on m'a dit que ça one-shotait la trans-IP2 de Romina. Oh putain, la fleur de merde là. Petite fleur de merde là. Fleur de purin. Je vais me... On passe à travers. Jeu de merde. Jeu de merde. Putain, la roulade, je la trouve tellement lente. Comparé à Wookake. Ou Crotte. Le fléau du zizi. Life. Non mais les scorpions quoi. Il y a des scorpions. Je suis tellement pas d'accord. On va aller se reposer au feu. Non mais attendez. La fleur de mana. Là. Le tournesol est bugué il paraît ouais. Apparemment des fois il transit pas P2, P3. Mais des fois il transit. C'est quoi un mouche bébé Igor? Est-ce que tu pourrais me décrire un mouche bébé? Elle a... Ah, ah oui, mais il y a Woozy qui est au courant aussi. Le tournesol est bugué. Cet après-midi, je vais regarder continuer ton guide de magie. Tu m'as beaucoup aidé, merci. Mais écoute, avec plaisir, Aaron. J'espère que ce sera à la hauteur de tes attentes. Alors non, on va pas aller au bastion, connasse. Pas de suite. J'ai vu une lumière à côté d'un dialogue, là. Pourquoi? Fiole sacrée? Ajouter une dose? J'ai une graine dorée? Ah ouais, j'ai 5 soins, ça c'est bien par contre. Hein. En ce moment, je fais des va-et-vient entre BMW et Star Wars Outlaw. Ouais, bah moi c'est ce que je ferai des va-et-vient entre Elden et Wukong. Et Wukong, ouais. OMG, il y a un ribot dans le train, moustache plus casquette. Mais j'ai pas vu s'il était chauve. Mais hey, il te reste qu'une seule chose à faire, Kalia. Faire ça. Si quelqu'un me fait ça ce soir, je m'en vais, je le dis. Si quelqu'un m'enlève ma casquette ce soir, je m'en vais. Je m'en vais et méchant. Je m'en vais en pétant. Je m'en vais en pétant. En plus, j'ai bouffé un tartare. Je peux vous dire, il y a des gens qui vont mourir. Ils vont décéder, clairement. C'est possible. T'aspires la morve avec la bouche. C'est ça, un mouche bébé? Alors, je suis tombé sur un tournesol. Il y avait sa P3 invisible à côté. J'ai rien compris. Ah ouais, ça a l'air bien le randomizer. Dommage qu'il n'y a pas un skin d'écureuil MDR avec un Uzi. Ça reviendra, ça. Ça reviendra, Anderson. Ça reviendra fort. Merci pour le train live. Merci beaucoup. Mouche bébé, c'est un truc le plus crado qui soit. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? J'ai un tirelet, mais pour le pif des mioches. Avec leur grosse morve gluante. Ah ouais? Tu mets ça dedans? Ah ouais, c'est des instruments de torture en vrai. Tu vois comment on siphonne de l'essence? Ouais. Tu fais pareil avec les crottes de nez. Ah ouais. Pourquoi on parle de ça? C'est quoi la base du truc? Ah oui, il mangeait les crottes de nez des... Enfin, c'est Kalia qui mangeait ses crottes de nez, je crois. Donc on va aller à la péninsule par l'autre chemin, du coup. Bon, les écrevisses, c'est bon. Hein. 10 de vie, fuck. Je vais pas voir les écrevisses. Hein. Là, il y a un objet derrière le poteau. C'est vrai qu'on y va pas souvent à cet objet-là, mais il y a un objet derrière ce poteau. Visage du fourneau, on s'en bat les steaks allègrement. Putain, mais les fourneaux, ils ont été randomisés ou pas? Quelqu'un a cette information ou pas du tout? Les fourneaux sont-ils randomisés? Petit légendaire, là. Le casque de Malicrotte. Pourquoi pas? Comme on dit, why not, hein? Why not, comme on dit en anglais. Bon appétit, bien sûr, bien sûr. Moi, j'utilise un tirelet pour expulser la morve de mon pif et manger ça dans un bol. C'est super, ça, non? Ça vous plaît? Je vais aspirer mes crottes à l'aide.
Pourquoi on parle de ça, putain? Il est 8h34, on parle de ça? Hey! En vol venimeux. Je sais pas si c'est bien. Attendez, parce que là-bas, il y a un crabe. Non, mais là, c'est mort. Là, c'est le DLC, en fait. Là, il y a tous les mobs du DLC. Salut! J'ai pris une flèche. On fait caca dessus, maintenant. Let's go. On va passer par là, du coup. Hop. Et voilà. Superbe. J'ai piqué la place à côté de la fenêtre. Oui, excusez-moi, est-ce que je peux prendre la place qui est là? Non. Moi, ce que j'ai à chaque fois dans le train, c'est le gars qui arrive et qui dit... Oh, c'est la run, c'est bon. Fragment de guerrier jarre. Non, mais c'est... Mais c'est... Comment ça se fait que j'ai autant de moules? Je vais mourir comme une merde. Je sens que cette run, elle est pourrie. C'est la pomme pourrie. L'extérieur est beau. Et à l'intérieur, c'est dégueu. C'est comme la morve qu'on a eue au mouche bébé. Mais c'est le mouche bébé. Au fait, Walt... Ah oui, Walt était malade, le veto lui a dit d'acheter un mouche bébé. La galère qu'elle a eu pour demander un mouche bébé pour son chien à la pharmacie. Ah ouais, tu m'étonnes, mais faut dire que c'est pour ton bébé. Faut dire que t'as un bébé et que tu veux un mouche bébé pour ton bébé, non? Parce que si tu leur dis je veux un mouche bébé pour mon chat et c'est le veto qui m'a dit de prendre ça, la pharmacienne à mon ami elle est comme ça. Mort. Pour un objet de merde. Putain mais non mais par contre ouais c'est ça en fait, les problèmes c'est ça. Les gros problèmes c'est ça. Ah y a un chien aussi, c'est bien je trouve. Chien plus dragon, bon du coup le scarabouze, je vais le laisser peinard parce que le chien me poursuit du coup. Concrètement c'est de la poursuite, hein. C'est pas genre suivre, c'est poursuivre. Ok. On va aller là du coup, se reposer, qu'est-ce qu'on a comme boss? Ouais, super. Il m'a target, ouais. Ouais. Alors Aaron, il manque des mots, il manque des lettres, il manque beaucoup de choses. Quand tu m'écris sur YouTube et c'est Selene, je sais pas Selena. Selena, c'est Selena, Selena Gomez à la limite. Non, c'est pas Selena, c'est Selene. Ah, des pierres forges 7. Ça me manquait. Ah, cool par contre, la pierre sombre 2 là, ça c'est super. Ok, on retourne au... On va mettre le jour, comme ça on n'a pas les boss de nuit. Faire passer le temps jusqu'au matin. Putain, j'ai pas de pierre une. Par contre, ça, c'est compliqué. On va aller voir le marchand d'abord, avant d'aller au scarabée. Faites-moi penser au scarabée si je l'oublie. Parce que ça se trouve, dedans, il y a un souvenir d'Elden Beast, on ne sait pas. Recevoir la perle. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Ah ouais! Tu me vends des pierres 8. Il y en a 5, ça, c'est parfait. Pierre 2, j'en ai 3. Il me vend ça. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment pas mal. Ouh, il me vend ça aussi. Et en plus, j'ai eu le truc de poison. Truc du creuset, la masse. Ok, ouais bon, c'est pas ouf, mais il y a quand même des trucs intéressants. Il y a quand même des trucs pas mal. J'ai pris la perle, je crois. Salut Arthur, comment tu vas? C'est quoi la brève? Brève plus. Moi, parfois, dans le train, j'ai le mec qui dit « Mais pourquoi j'ai autant de moules ?» Mais c'est quoi cette brève? J'ai pas dit ça, non? Moi, j'ai pas dit ça. À quel moment j'ai dit ça? J'ai dit ça? Ah, Kenneth, c'est le mec qui est sur le pont là-bas? Sur le truc avant la fiole de salut miraculeux? Oui, c'est normal, Aaron. Il faut que tu suives toute la quête de Selene pour avoir tous les sortilèges. C'est très long, hein, ça dure quasiment tout le jeu. Mais oui, il faut que tu fasses la quête de Selene, il faut que tu fasses les quêtes de Seluvis, il faut que tu ailles faire la quête d'Azur aussi, donc c'est très long. Il y a tous les guides sur ma chaîne. Hop. Ouais, bref, il n'y a que le bot qui a le droit. Il n'y a que Nightbot qui appelle la commande de bref. Il me semble.
Ok. Ouais, putain, les crevisses de ces mots. Pierre 7. Ouais, putain. Hé, hey, l'exaltation de l'ancien. C'est le talisman qu'on récupère justement sur ces mecs-là. Oh là 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 là. Est-ce que ça serait pas un présage d'un one-shot de merde une fois que t'as fini d'améliorer ton arme plus 25 et bam, tu te fais one-shot. Clac, démence. Hop, terminé. Bizarre, reset. T'es dans un TG Wigo, ça existe? T'es dans un Twigo du coup? Dans le Twigo? Salut Tsmelo. Ouais, OMG, le retour de la rando. OMG. Non Arthur, en fait, est-ce que, à votre avis, vu que je suis sur la run DLC, c'est le try 1 en fait, c'est pas du tout le try 43? Attends. Mais oui, c'est le try 1, puisqu'on est quand même pas sur le... On est sur un autre défi en fait. Donc attends, try 1. Et même pour les boss, je suis à 443, mais en fait je suis à 0, j'ai pas de PB sur cette run. Et ouais, j'ai pas de PB sur cette run. Attends, mais ça, comment je le réinitialise? Je vais mettre 0, je veux pas mettre, je veux pas mettre 329. Je vais mettre 0. Ok. Voilà. Mais non, mais stresse pas, Kalia. Tout le monde stresse, j'ai l'impression, de cette soirée. Et, mais stressez pas, c'est normal de se voir. Mais non, mais n'aie pas peur. En plus, t'écris en majuscule, imagine, Ribou est pas gentil. Ouais, t'imagines? En vrai, le gars qui déboule et qui dit... Ça m'intéresse pas ce que tu dis, au fait. Hein. Toi, tu stresses pas, Lalin? Putain. Oh, Lalin, prochain coup, je t'héberge, ok? Avec grand plaisir, hein, c'est moi qui propose. Prochain coup, Lalin, je t'héberge. Il va te péter dessus, ouais. Je vais péter le tartare. Hein. Ah, mais du coup, ça fait chier, parce que s'il y a quelqu'un qui pète à la soirée et que ça pue, il y a forcément quelqu'un qui va dire « C'est Ribot, il a bouffé un tartare. » Alors que non. Je ne pète jamais en public. Sauf dans le métro. Juste pour faire chier dans le métro. Salut Eddy. Comment ça va Eddy? Bonjour, bonjour. Bah je pense que ce soir on sera une cinquantaine à mon avis. Je pense qu'on sera pas loin d'être 50. Hein. T'as, mais mon setup il est tellement long. Je suis désolé. Hein. Je fais que parler en plus. Je suis désolé. Hein. Je vous ai déjà dit que j'étais désolé. Allez hop, on va là. On va aller débloquer le feu d'ici aussi. T'as. Comme ça sera fait parce que c'est des chemins qui m'emmerdent concrètement. Hop. On va mettre le jour aussi parce que j'y pepe. Moi je me doute que tu diras que c'est moi. Là, je vais aller récupérer cet objet du désir. L'objet du désir, c'est parti. Ah. En vrai, l'appart est grand. En vrai, pour l'avoir vu deux fois, l'appart est grand. Ça, prout. Tu veux contrôler? Tu veux me contrôler mon ticket? Ben vas-y. Contrôle-moi, contrôleur de la RATP. Je te vois pas me contrôler, je te vois m'écouter, mais je te vois pas me contrôler. Tu n'as pas envie de me contrôler. Tu n'as pas du tout envie de me contrôler. Allez, vas-y. Contrôle mon ticket. Tu veux pas contrôler mon ticket? C'est bizarre, hein, que t'aies pas envie de contrôler mon ticket. Je vais crever, hein. Je suis pas loin de mourir, quoi. Ciao. Je fais des slaloms dans les arbres pour essayer de péter ses directions. Voilà. Non, il y aura que des streamers, hein, je pense, Kalia, en vrai. Nac, ok, Aaron. Ouais, tu peux faire la technique de varer le blême et aller à Mogwin pour aller choper des âmes à foison, à profusion. Ok, rune dorée 2. On va peut-être essayer de level up, consommer mes runes, là. Et level up, parce que... Les 10 de vigueur, là, je suis pas bien. Je vous avoue, je suis pas du tout bien. Oh, putain. Ça
fait des dégâts, ça. Ça fait des dégâts de merde. Merci à Tri5 pour le sub, pour les 2 mois. Bonjour à tous et bon jeu. Merci beaucoup et merci pour le resub. Incroyable. 2 mois. C'est le prime. C'est le prime. Ok. Bon, pour l'instant, je débloque des feux. Je fais les marchands et puis basta. On va voir. J'ai pas de pierre une, par contre. Ça sent le setup à l'urnia avec 10 en vigueur. Ça pue. Ça pue fort. Franchement, je préférerais être un écureuil avec un gun là, Arthur. Des bisous à la store. Ciao, ciao. Bon courage. Bon courage. Allez, on passe par là. Tac. Vu que j'ai des clés lames de pierre, je vais aller ouvrir la geôle. Ah oui, Jean-Michel, il bouge pas du coup. Puisque c'est le matin. Ah, c'est pour ça qu'on croyait tous qu'il était bugué en fait. Mais pas du tout. Il est pas bugué en fait. C'est parce qu'on croyait qu'il était bugué alors que c'était le matin. Ok. Ok. Ça va si je fais le live comme ça? Salut, je m'appelle Jérémy. Les gens m'ont de Géminé. Et putain de merde. Ah oui, il y en a 2. Ah ouais. Eh ben, on reviendra, non? Ouais, on va revenir, voilà. Franchement, j'y vais pas. Pas le perdu pour Jérémy. Pour les Jérémy, ouais, j'avoue. Hop là. Superbe, superbe. Ça s'est ouvert. Du gain de temps alors qu'on n'est pas en speedrun. Putain. Ok. Eh ben, dernier cimetière de la zone Nécrolimbe Péninsule. Ensuite, on va aller à Lurnia, du coup. Enfin, non. Avant d'aller à Lurnia, je vais aller à la table de la grâce, voir s'il n'y a pas des pierres une. Je vais aller vendre un petit peu tout ce que j'ai aussi. Qu'est-ce que c'est, ça? Viande de tortue fermentée en saumure. Ok. Bon. C'est pour avoir les maxi viandes de tortue? Tortue, oh merde. C'est un lance-flamme, hein? Ok. Ah ben non, il bouge du coup. C'est juste que j'étais trop loin, je pense. Hein. Fermenté comme sur le vieux port, Kong. Mais oui. Kong. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un loup. Ok. Marchand plus cimetière. Putain, c'est rentable en vrai. Si j'avais juste des pierres, une, j'aurais déjà amélioré une arme. Je serais déjà allé taper des boss. Hein, avec mes 10 en vigueur, là. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Déjà recevoir la perle, comme ça, t'oublies pas. Qu'est-ce que tu... Oh, putain. Wow. Ah ouais, non mais what, quoi? Non mais c'est quoi cette run? C'est quoi cette run? Ah, j'ai même les gantelets de Gaius à 10 000, par contre, tu vas aller te le carrer dans le cul, le gantelet. Ou les deux, s'il y en a deux. Ok, ok. Le bonheur d'avoir ma 5G avec mon super iPhone 15. T'as un iPhone 15? Oh, tu pourras me le montrer. J'ai envie de voir la gélule. J'ai envie de voir le Dynamic Island de l'iPhone 15 qu'elle y a. On en voit pas beaucoup des iPhone 15 en vrai. Un peu de la merde les iPhones maintenant. Je trouve qu'ils sont en retard par rapport à Huawei et Xiaomi et Samsung. Putain, mais en fait, ils ont remplacé tous les mobs par ces putains de piaf. C'est quoi le bail? Ok, bon, mais que dalle en pierre une. Merde. Donc attendez, quand on est dans ce cas-là... Ah oui, il reste un marchand à la plage. Ouais, iPhone, c'est devenu de la giga bouse. Et là, regardez, le 9 septembre, ils vont faire une keynote avec Tim Cook. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Let me tell you about the new iPhone. Good morning. Eh ben, il va nous parler de l'intelligence Apple, l'intelligence artificielle, qui va sortir, du coup, ben, en janvier, parce que les lois doivent être respectées en Europe. Et en plus, ils n'ont pas fini Apple Intelligence. Ouais, putain, le Pixel, moi, il me fait de l'œil aussi. Salut Thomas, comment ça va, coucou? Du coup, je suis dans la merde parce que j'ai pas de pierre une. Good morning. Good morning, Wuziflopa. Good morning, Igor. Good morning. This is the same shit as the usual by our iPhone case.
Good morning. Kalia, good morning. On va aller faire ce marchand là-bas. Good morning. T'as craqué du coup. J'ai craqué, ouais. J'ai créqué. Comme on dit. Pas. Personne ne dit même. Est-ce qu'on meurt là? Non. Double saut? Non plus. C'est la merde. Ok, tout va bien. Ouais, y'a Kylie d'aller voir. On va y aller, je pense. Putain, vas-y, j'ai pas de pierre rune. J'ai pas de rune hein, non plus. C'est un peu le, c'est un peu la caquine. Hein. C'est un peu la crotte. C'est un peu la crotte de nez. Tirée aux mouches bébés. Dégueu. La ref obscure. Est-ce que vous pourrez parler à Galdra du mouche bébé? Que je suis au courant pour le mouche bébé. Genre, juste lui dire. Ribo est au courant pour le mouche bébé. Putain, t'as des pierres doux. Superbe. Là, il y a ça. La tenue glorieuse. Qu'est-ce que c'est? C'est joli. Et il y a la traque de géant. Ok, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. MP envoyé. Ah, tu as carrément envoyé un MP. Ribo est au courant pour le mouche bébé, je répète. J'envoie par SMS aussi. Rajoute un cakeway quand même. On va prendre ce feu. Comme ça, ça sera fait. Et puis on va aller du coup... Est-ce que je fais Kaelid ou est-ce que je fais Lurnia? Kaelid en vrai, c'est limite plus fun. C'est limite plus smooth que Lurnia. Lurnia, c'est un peu la sauce hein, quand t'as pas les... Je vais aller faire le dragon. Je vais aller faire le dragon, comme ça je vais me mettre de la vigueur, parce que là je sens que je... ça pue du cul quand même, hein, cette histoire. Hein. On va aller stepper. Allez, go. Pas les couilles du SMS, hein, moi. Non mais Igor, mais t'es sérieux? Tu m'envoies un SMS pour dire qu'il est au courant pour le mouche bébé? Putain. Bah moi en fait ce qui me fait peur de passer sur le Google Pixel c'est de changer d'écosystème en fait puisque je suis totalement, on en parle souvent mais je suis totalement emprisonné dans l'écosystème Apple. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok ça va, on pourrait le no-hit, on va pas le faire. Hein. Petit message en morse là, petite envie de jouer à Myst là. iOS c'est vraiment banger, hein. Oh, faut pas se leurrer quand même. Juste la meilleure, le meilleur système d'exploitation sur téléphone, c'est iOS. Point barre. Point. Point. Il n'y a pas de débat. Android, déjà, ils ont un bouton retour. Encore. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ils ont un bouton retour? Qu'est-ce que c'est que cette merde? À moins que ça n'existe plus, je sais pas. Waouh, trop bien. On peut finir le jeu, go. Go, go, go. Go la NI pour ça, là. Go, go, Kajeto, go. Qu'est-ce qu'on a comme boss, là-bas? Putain, c'est le fameux pont. Hé, hey, c'est un mec de Farom. C'est le duo ou pas? Putain, ça, avec 30 en vigueur, tu peux y aller. Il est tout seul? Attends. Non, il y a l'autre derrière. Il y a Jean-Michel, je balance des disqueuses. Ok. Je vous rejoins à quelle heure? Ben, je vais récupérer Romain à la gare. Je pense vers midi. Un truc comme ça, midi et demi. Toi, t'arrives à quelle heure, Kalia? Après, ils ont été forts avec iOS, hein, parce qu'ils ont réussi à toucher tout le monde avec la facilité d'utilisation. Mais en même temps, est-ce qu'il y a une autre manière de faire un système d'exploitation, tu vois, Lenlen? C'est ce que je me dis. Parce que du coup, si tu fais des trucs... Enfin, admettons... Je suis créateur de téléphone, je fais du coup un système d'exploitation et je décide qu'il est compliqué. Évidemment que mes ventes elles vont s'effondrer. Ils ont tout compris Apple. Les usages, l'UI, l'UX, l'usage qui crée la norme. Point. Il n'y a que ça qui est intéressant dans le web ou dans le digital. h 30 ok. Si je suis pas là cet après-midi, adieu. Ok, d'accord. Putain. Ribo est au courant pour le mouche bébé. On dirait un mot code. Un putain de mot code. Comment est votre blanquette? Elle est bonne.
Ribo est au courant pour votre mouche bébé. Hey, cool. La tête de Diablotin, hey, pas mal. Putain, on va pouvoir step up en termes de swag, là. Du coup, j'ai fait un constat rapide. Tous les gens teubés ont des iPhones. C'est un peu réducteur, mais avéré. Et oui, parce que c'est plus facile. Putain, Lin-Lin qui s'est vraiment placé en tant que buveur toxique ultime. On va y mourir. Qu'est-ce qu'on a là ? Sentinelle. Et putain, j'ai un Kaelith goldé. Non mais attendez, ça se trouve, c'est la run. Vous imaginez, je first try le défi. Petite prédit, là. Là, d'ailleurs, on pourrait faire une prédit. Est-ce qu'il arrive au 10 boss ? Est-ce qu'il tue 10 boss ? 10 boss avant la mort. Oui, non. Pas mal, ça, comme prédit. Attendez, on va faire ça au feu. Est-ce que je force le truc et je vais sur Insta ? Putain, Igor qui a craqué. Salut Ribo, je passe juste faire un coucou. Faire le gâteau d'anniversaire de mon beau-père. Le thème du gâteau, c'est le groupe Rammstein. EB, Star Knight. Coucou à toi Star Knight et merci pour le coucou. Tu fais un gâteau comment, du coup ? Parce que faire un gâteau Rammstein, c'est pas évident. Hein. Salut Sky, coucou. Salut, Randomizer concerne les boss du DLC ou juste le jeu de base ? Les deux. Tout est mélangé Sky là. Tout est mélangé. Sur YouTube. Salut Antoine aussi, coucou. Tous les boss sont mélangés. Tous les mobs sont mélangés. Et tous les objets sont mélangés. Merde, tu l'as réveillé. Igor qui a pas assuré. Igor qui sera pas là cet après. Ah, gâteau moustache. Mais tu fais des gâteaux Star Knight ? Oui, c'est sorti le 26. Ok, donc du coup, attendez, ce que je voulais faire, c'était monter de niveau déjà. Je vais prendre des levels de vigueur. Ah ouais, là, c'est la run. Et vu que j'ai des armes saignement, on va pouvoir aller taper le dragon. Par contre, je pense pas que j'ai de pattes de poulet doré, non ? Ah non, j'en ai pas. Merde. Je n'en ai pas. Attendez, c'était là ou pas ? Inventaire. Je sais plus où c'est les pattes de poulet, mais je crois que j'en ai pas. Tu diras que c'est ma faute. Mais moi, j'ai des rediffusions. J'ai dit rediffusion. T'en fais pas souvent. Oh non, ça va pas être long, Arthur, regarde. Non, ça va. Putain, mais ça consomme rien, un endu, ça. C'est abusé. Ça va sur YouTube, le son est bon, la qualité est bonne pour ceux qui sont sur YouTube là. Ah, j'ai plus de mana du coup, je suis un trou de balle. Attends, vas-y. Faut pas de pierre une. Hein. Ouais, si en fait ça va être bon, Arthur a raison. Tout est parfait, ok, bon bah nickel. Ouais, mais putain, ça va être long de ouf. Oh, vas-y. Attendez. L'indu. Starter de merde un peu en termes de vigueur et de mana. Je sais pas quelle classe c'était, je me souviens pas au début là. C'est pas le petit déjeuner à base de crotte de nez. Les top. Ribosom est en train de level up. Ça ne se voit pas, mais il est en train de level up. Ah, merci, Lin-Lin pour la prédit. L7C Fox est arrivé. Coucou à tous. Le son est nickel. Mais j'ai un souci d'image. Je vois Elden au lieu de Black Mutant. Vous avez une solution ? Ouais, L7C Fox, je continuerai après le stream Elden. Alors, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, je fais que du Elden. Mais semaine prochaine, je ferai première partie Elden, deuxième partie Black Mutant. Voilà. On passera de 100% des viewers à 20%. Parfait. Prédiction, les amis. Prédiction. C'est tellement long. Ça fait des dégâts quand même. Je crois que ça marche même si j'ai pas de mana. Ah mais en fait, attends, j'ai découvert quelque chose, mais il peut courir. Attends, il peut courir. Ah ouais. Et tu peux décider de pas courir. Ah oui. Tu peux décider d'avoir une range de bâtard.
pas. Ah, ça a l'air fort, les flax. Bah moi, si vous voulez, on va bouffer chez au Bouillon Chartier, en fait. Le Bouillon Chartier, c'est pas cher. Bouffe variée. Il y a de la place, franchement, c'est pas mal. On peut aller soit à Grand Boulevard, il y a Montparnasse, il y a pas mal de coins qui sont pas mal pour le Bouillon Chartier. Ouais, Radan Prime dans un KGB, ça me terrorise. Et même Mesmer. Je pense que le pire, c'est Mesmer, en vrai. Mesmer dans un KGB à l'aide. On va pas à Bercy, non, Bercy, non, apparemment. Mais tu vas pas courir dans Paris. Dans Paris, tout est à 20 minutes, une demi-heure de métro. Mais si, mais non. Ah, on y va ou on y va pas? Pour l'instant, il fait pas beau. Ils avaient dit qu'il ferait beau. Attendez, on va level up. Ah oui, nouveau pouvoir disponible à la cathédrale. J'ai dit Bercy, mais je suis débile. C'est Grand Boulevard et Montparnasse. On va aller à Bercy. À l'aide. T'es Pierre 2. Ah bon. La protec de foudre. Ok, let's go. On continue. 56 000, il m'a donné. Putain, mais il m'a donné que dalle. D'où ça sort, le 56 000? D'habitude, c'est 70 000. C'est pour ça qu'elle est curse, la run. Oui, en effet. On avait dit devant la gare de Bercy. Mais il y a une gare à Bercy. Je suis jamais allé à la Bercy de ma vie, je crois. Rendez-vous devant la gare de Matabio. Bon, au pire, j'arriverai plus tard, au pire. Je vais voir. Non, j'ai pas le scarabée doré, malheureusement. Je l'ai pas loot. Eh, hey, cool, un fois c'est chiant, t'imagines. On rappelle que Reyna la P2, c'est toujours de la chiasse. Ah ouais, non, celle qui me fait peur, par contre, non, c'est Relana. Pas Reynala. Relana, elle me terrifie. Elle me terrifie. Ok, pierre 7. Pierre forge 2. Gare de Lyon. Ouais, moi je suis un peu loin de la gare de Lyon. Faut que j'arrive. Déjà, faut que j'arrive à l'heure. Romain, il arrive, à, je crois, vers 11h40, un truc comme ça. Bercy, mais on va bouffer... putain, mais si on va à Bercy, pourquoi on va pas bouffer au restaurant Aveyronnais? Il y a Aligo Saucisse. Si on va à Bercy. Il y a le restaurant qui fait des aligots géants. Avec des saucisses géantes. Je suis là pour dire bonjour. Et puis bonjour, Bloody Hen. Je suis là pour te répondre. Comment ça va, Bloody Hen, là? Et Prédit en cours, là. Ils sont où, là, les parieurs? On est là pour perdre de la thune, ok? Donc jouez, en fait. Jouez. Alors, montée de niveau. Ok, nickel. Ouf, Davy. Putain. La perle. Et merci Toto pour le Prime. Merci beaucoup Toto pour ton Prime. Et Igor, il m'a dit qu'il t'avait envoyé un SMS. Salut Galdra. Courage pour la nuit. J'étais absent de l'intérêt quelques jours. Il a fini le jeu Black Myth Wukong. Non, on fera première partie Elden et deuxième partie Wukong. Bloody Hen. Ah là là. Bon ben Galdra, courage à toi. Moi j'ai bien dormi, mais c'est pas une compétition. Je savais pas que t'avais les notifs, nous dit Ilgor. Je pensais que tu lirais après ton dodo. Putain, courage Galdra. Ouais, ça se passe la randomizer. Ça se passe. On est en plein setup, on a trouvé le jambon. Et on a une arme de saignement du DLC direct, donc c'est pas mal. Franchement, je suis pas mal là. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, un serment doré portatif. Ça, c'est un serment doré portatif, veau doré. Donc c'est quand même pas mal. Et en plus, on pourra les craft. Donc si on n'a pas serment doré, on pourra crafter ce truc-là. Et c'est quand même cool. Et l'écureuil, Tintin, j'en verrai.
pour le coup. Ouais, franchement, si j'arrive à first try, je serais refait, Galdra. Je serais refait de ouf. Bon, courage à toi. Putain, je suis pas bien de savoir que ça t'a empêché de dormir, là, ce message. Mais par contre, je suis au courant pour le mouche bébé. Il faut être au courant pour le mouche bébé. Psst, terminé. Et si j'avais mon casque, je le ferais avec le truc de l'avion. Ribo est au courant pour le mouche bébé. C'est terminé. Ne me laissez pas tenter. Mais si, mais fonce, Toto. Bon, ok, on a fait tous les marchands, là. Il va falloir aller à Lurnia. J'ai 30 en vigueur, donc ça, c'est pas mal. Après, il y a ceux-là, là. Pourquoi pas les faire maintenant? Allez, vas-y. On va les faire maintenant. Terminé. Ribo a bouffé un tartare et quand il pète sa pu, terminé. Putain. Nouvelle alerte pour Warida. Mais non, mais Lalin qui a re-resub. Merci Lalin pour ton deuxième sub de la journée. Merci pour le T2. Un dixième mois. Incroyable. Merci Lalin. Merci beaucoup. Salut Stéphane sur YouTube. Nous t'aimons Stéphane. Coucou. Ouais, c'est le même mob qu'avant, sauf que tu prends la version à jour. Et en gros, bah tu fais les 207 au lieu des 165. Donc c'est l'enfer en fait. Hein. Toto. Bah moi je vous rejoins quand j'ai récupéré Romain, à la limite on vous rejoint. Ça vous va, Igor et Kalia? Ça va tellement être la fiesta. Oh, ça va être trop bien. Concours de shooter. C'est faux. Je peux faire quoi là? Là il y a un cimetière, on va aller le faire. Ah putain, les 30 en vigueur là, ça fait du bien. Ouh, attendez. Des runes gratuites? Oui, des runes gratuites. Oh, elle brûle. C'est une fleur, trop bien. 11h45, gare de Lyon. Vous arrivez vers midi devant la gare. Allez, ok. Nickel. Ils vont à Bercy direct? Et Gabeux? Moi, j'avais entendu concours de t-shirt mouillé. Mais c'est ça. Avec des shooters. En fait, tu mouilles ton t-shirt d'alcool. Et ensuite, tu remplis des verres avec ce que t'as réussi à récupérer dans ton t-shirt. Et après, c'est concours de shot. Et on inverse les verres en fonction des gens. Comme ça, on mélange un peu tout, toute la tambouille, tu vois, Gabeux. Bonjour, Gabeux. Et salut à moi, c'est Jérôme. Salut, moi, c'est Jérôme. Putain, mais moi, c'est Jérôme. Maintenant, c'est bon, j'ai percuté. J'ai percuté qui c'était. Comment ça va, moi, c'est Jérôme. Bienvenue, les 5 mois. Mais bon, incroyable. L'enfer sur Terre, ouais. C'est un des pires trucs qu'on a dit ce matin, hein, ce jeu, hein, Gabeux, là, actuellement. J'ai profité du September pour prendre 6 mois en thé. Attends, mais... Mais tu vois, ça fait chier tout le chat, parce que ça ne dit pas le détail de ça. Ça me fait chier. Tu vois, il y a écrit « Linlin a renouvelé son abonnement de niveau 2, abonné depuis 10 mois. » Et si je regarde là, voilà. Côté Twitch, il y a écrit « a renouvelé son abonnement au niveau 2 pour 6 mois et cumule 10 mois d'abonnement. » Donc déjà, merci Linlin infiniment pour les 6 mois d'avance en T2, c'est un truc de malade. Merci beaucoup. Et juste le mec de Twitch chat, je vais lui écrire sur son Discord et je vais lui dire « Ah, j'ai tourné la tête, je vois le message de Wuzi. Décris-nous ce qui te fait chier. » Alors ce qui me fait chier, principalement, c'est boire des shooters de gens qui ont mouillé leur t-shirt avec de l'alcool et que je boirai pas le breuvage de mon propre t-shirt. Wuzi. Bah ça va bien, moi c'est Jérôme. Je me suis remis dans Elden après quand même une petite pause. J'ai réussi à faire une pause, donc c'est bien déjà. Mais du coup, bah, je fais les 207 boss sans mourir. Avec le DLC, du coup. Maintenant. Super. Le challenge, quoi. Le challenge. Et merci à Gotu pour le Prime, pour les 3 mois. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y en a qui prennent des mois d'avance? N'hésitez pas à me le dire, parce que je vois pas le détail, du coup. Merci tout le monde pour les subs. Je rappelle que c'est September, et c'est le meilleur moment pour sub, en gros. Voilà. Je veux pas forcer, hein, mais c'est le meilleur moment, quoi. Je force. Regarde-le, il dit qu'il force pas, mais en fait il force. C'est un connard. Regarde-le, il est chauve. Berk. Alors, fais voir. Flacon de parfum de poison mortel. C'est pas mal, ça. Et après, il y a ça aussi qui est cool. Hein. La puissance des incantations, on n'utilisera jamais. Par contre, les flèches à 20 balles, ça, c'est pas mal. Avec serment doré intégré aussi, c'est cool.
EBT3. Je sais que j'ai failli roter en faisant ce son, j'ai pas fait exprès. Beaucoup d'air à cause du café. Ça dégoûte parce qu'il y a des gens qui se sont douchés avant le concours. Ça pue le savon, ouais c'est ça. Ça sent le dope quoi. Hein? Ça sent le dope. Soirée de merde en perspective. Hein. De toute façon, si les gens sont propres en général, tu passes des mauvais moments. Parce que tu sens trop l'odeur du propre en fait. C'est juste ça. C'est de la merde. Gab, c'est de la merde. Ça me donne envie de couper le stream. Je pense que je vais couper le stream à cause de ça. C'est faux. Salut Anoxar Games TV, coucou. Comment ça va? Putain. Je vois que en tout cas, on pourrait quasiment annuler l'après-dit. Hein, parce que. Ouh. Je pense que c'est le soldat de Godric. Qui s'est mis en mode DJ. Vous voyez, c'est. Putain, reine à la paix de là. Oh. Ça va taper. Putain. La connasse. Vers là. Et je resterai droit comme un piqué. Je serai Renala en Kaili. Je suis une connasse. Je suis une connasse. Connasse. J'espère que t'auras des fois séché, hein, imagine. Connasse. Ah la conne. Eh bien, on va prendre le feu. On va la faire repop. Pas dans tous les concours, Toto. Ah ouais, tu t'es fait ouest par elle. Mais non, mais moi, c'est elle qui... Elle me terrifie, en fait. Non, mais regarde ça. C'est le même truc que dans Le Seigneur des Anneaux. Avec le... En plus, on a la structure. Vous savez, quand ils sont à l'escalier qui mène à l'araignée dans Le Seigneur des Anneaux, et qu'à un moment, il y a une espèce de faisceau gigantesque et on voit Pipin et Gandalf au loin qui voient ce truc en disant « J'ai peur, Gandalf. Prends-moi dans tes bras. » Eh bien, c'est le même truc. C'est le rayon de l'étoile de la mort. Kong. Putain. En fait, c'est bien Elden parce que c'est les... Je suis à la maison, là, vous voyez. Je suis en pyjama, robe de chambre. Je suis à la maison, en fait. Vous voyez, je suis capable, moi, de faire un Odess First Ride de 107 boss en discutant et en faisant des blagues comme ça. Gandalf. Gandalf. Sauve-moi, putain. C'est Pipin ou c'est l'autre? Je sais même plus. Salut Régio. N'hésitez pas à follow. N'hésitez pas à sub T3 avec 6 mois d'avance aussi. Franchement, lâchez-vous. C'est September en même temps. Qu'est-ce qu'on a? Ah, des doigts. Cool. Ah, et des armes. Le Qatar. Eh ben non, on prendra pas ça. Parce que c'est de la merde. Ok, donc tu vends du caca, toi, finalement. C'est comme ça qu'on peut résumer. Salut Jules Fou. Et bienvenue sur Kick. C'est faux. On est sur Twitch. Je vais automatiser la commande de clip. Il y a beaucoup trop de pépites. Et j'ai trouvé un truc trop bien, Woozy. Je suis en train de retravailler mon écran de pause. Mais en gros, je bosse actuellement sur un écran de pause qui vous prend des clips random de toute ma chaîne. Donc quand je vais faire un pipi tactique ou un caca tactique, eh ben, vous aurez des clips random. C'est quand même pas mal, ça. Bon, je pense qu'on va aller à la table de la grâce. Hein. À un moment donné, il va falloir y aller quand même. Ah, le bon café là. Salut Snake, comment ça va? Ça sort quand d'ailleurs, Metal Gear Solid 3 remasterisé là? C'est quoi la date? Ah oui, je vais vous parler d'un truc. Les gens là qui disent nu, ça sert à rien de jouer aux jeux en avance et de se presser pour faire du content sur des jeux en avance et tout. J'avais eu le truc collection de Metal Gear en avance. Genre une semaine en avance. Parce qu'à la Fnac, je pense qu'ils se sont complètement trompés. Ils ont foutu en rayon une semaine avant. J'avais fait une vidéo de 1 heure sur MGS1, 1 heure sur MGS2, 1 heure sur MGS3. Je crois que j'ai fait 17 000 vues, un truc comme ça. Parce que je l'ai posté une semaine avant. Donc forcément. Que c'est game changer d'avoir les trucs en avance. Faut arrêter de dire ni 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 ça sert à rien. Bien sûr que si. Bref. J'ai pas de date pour le moment. Les gens supposent fin d'année. Ah ouais. Ah oui, carrément. La fiole de crépus. On en a rien à foutre. Allez, let's go Lurnia, du coup, avec 30 ans de vigueur. Ça fait peur, mais moins peur qu'avec 10, quand même.
Moi, ce qui me fait peur surtout, c'est que j'ai dépensé 50 000. On va aller voir le spot de farm de l'urinaire. Ah ouais. Parce que ça, personne le connaît. C'est un secret. J'ai un spot de farm en randomizer. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Et ouais. La prédit, j'ai tellement envie de l'annuler, tellement il n'y a personne qui a misé. Ah là là, ça me dégoûte cette prédit. Bah, cette prédit. Bah. L'odeur de la prédit. Bah. Ah là là, les gens qui ont pas prédit. Bah. Ah, vous me dégoûtez. Vous me dégoûtez. Ripo les bons tuyaux. Ouais, ouais, j'ai un spot de farm dans le early game, le mid game et le end game en randomizer. Je suis une merde. Je me dégoûte. Farmer en randomizer, vraiment, est-ce qu'il y a plus puant que ça? Non. Mais on va le faire. Tout ça pour avoir la Moonlight. Les stats pour la Moonlight, là. Mmh. Eh bien, ça faisait longtemps que j'étais pas venu à l'Urnia. Je pense qu'au début, c'était ma zone préférée. Maintenant, c'est la zone que je déteste le plus. Non, c'est pas fort farote, le spot. Je vais vous montrer. Je le garde secret pour la rétention. C'est super, ça. Forfarotte, ça pourrait, ça m'est déjà arrivé d'avoir un spot de farm à Forfarotte, mais c'est pas tout le temps. La lame du devoir. Je sais pas ce que c'est. Attendez, lui, il faut lui filer 10 balles, non? Ah ouais. Ça, c'est cool d'avoir ça. J'utiliserai jamais, mais je vais le tuer dans quelques temps. Ouais. Non, mais en vrai, il y a moyen de s'en sortir, en tout cas en termes de runes. On va y aller. Je suis un peu emmerdé, hein. J'ai pas beaucoup de pierres, hein, je trouve. Ah, ça c'est bien. J'ai beaucoup d'espoir sur la table de la grâce, mais je devrais pas, hein, pour les pierres une. Le setup, combien de temps, là, ça fait? Vous voyez, ce qui est... Putain, pierre 3, x 2. Ce qui est vraiment ingrat dans ce défi, c'est que là, vous voyez, ça fait 1h30 que je suis sur le jeu. En train de setup et compagnie. Tu meurs et tu recommences en fait. C'est ultra ingrat. Moi ce qui me fait peur, c'est d'être à... Je sais pas, allez, 177 boss, tu vois. Clac, tu meurs. 185 boss, et clac, tu meurs. 199 boss, et clac, tu meurs. Oh putain, le connard. Putain, j'ai vraiment eu de la merde là. Ouais, faut que j'aille faire patte, t'as raison. De toute façon, dans l'ordre, c'est ça. Hein. C'est je loot, je loot, je loot. Si j'ai pas ce que je veux, je fais patte. Si j'ai pas ce que je veux, ben je fais margie. Ouais, c'est ça, 185 et tu prends un mob de démon se planquer derrière un mur qui t'immo avec la avec face de fion qui fait la ronde dans le coin. Non, à l'aide. Ça va arriver. Je pense qu'il va y avoir des dépressions, hein, je le dis. Préparez les antidépresseurs, hein, comme on dit. Achetez. Achetez de la thune. Transforme le porteur à 1, ok, fait enfler sa tête du cul, ça c'est quoi? Pierre 7, moi j'en ai déjà 9. Hein. Ça c'est quoi? Ah, la lance forge graphe, ok. Ok, ok. Attendez, je vais regarder si je peux lui vendre mes runes. J'en ai ou pas des runes? Ah oui. Je les vends parce que je suis pas censé mourir. Donc je les perdrai pas. Ok, 27 000, je vais juste lui acheter un petit truc utile, c'est ça. C'est la seule dépense que je fais, et hop, on va l'équiper. Pas du tout. Putain, j'ai mis mes soins sur la flèche du bas. Je suis dégénéré. Ah, voilà, c'était ça. Donc là, il faut que je retourne dans l'équipement, parce que j'ai bousillé mes trucs, voilà. Ok. Nickel, et 25 000, je vais encore level up. Salut Jeff Parcours. BMW, je pense que je le ferai lundi soir. Lundi soir, après, en gros, je ferai toujours Elden et un autre jeu. Elden et un autre jeu. Elden et je vous fais de la rétention. Elden et je vous oblige à racheter sur l'autre jeu. Si vous restez pas, je vous banne. Elden et je fais un autre jeu. Salut Yoshido, comment ça va et bienvenue. Ok. Petit souvenir, là, ça serait propre. Hein. Ça serait très cool parce que... En fait, ce qui va me sauver, je pense que justement, c'est le spot de farm de l'Urnia. C'est de la merde, là. Voilà. Ok, cendre de guerre perdue. Superbe. Allez, on va aller là-bas du coup.
On va aller à ces ruines, on va aller récupérer le feu qui est ici, les objets qui sont là, le feu qui est là. Ensuite de là, on va se retéper ici, on va aller là-bas, prendre le pont, prendre les objets qui sont au cimetière ici, passer par là, aller au cimetière de là, péter les ballons, aller voir Iji, le cimetière qui est ici, on va voir le marchand, on remonte, on fait le tour, on fait le tour, on fait le tour, on prend les feux, et après, ben, on aura peut-être une pierre une, voilà. OMG YouTube, salut Azouk sur YouTube. Salut Dark Azouk sur YouTube. Comment ça va? Quelle variété d'émotes. Hein. Oh vraiment, c'est incroyable. J'aime beaucoup ces émotes et je pense que je vais tout plaquer, tout supprimer sur Twitch pour mettre des émotes de YouTube. Vraiment superbe. Incroyablement moche. Vers le village de la Flamme Exaltée, il y a un cimetière. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est Kalia qui me l'a montré. Je savais pas du tout qu'il y avait un cimetière là. Et pour l'instant, j'ai pas eu trop d'objets de DLC. Le cas, c'est qu'il y a eu quasiment tous les objets du DLC. Branche sacrificielle, normalement ça devrait pas me servir. Ok, rune dorée 7. Je vais garder mes runes en fait. Je suis débile d'avoir dépensé mes runes pour prendre des levels, puisque du coup j'aurai besoin des runes pour me faire prendre des levels à mes armes. Et acheter des armes. J'ai un jambon à acheter à 800. Qui voudra de mon jambon? Qui voudra de mon bon jambon? Le bon jambon de Ribot. Le jambon de Ribot. 1€ la tranche, 3€ les deux. C'est vrai, c'est vrai, le mec c'est super fort en commerce, tu sais. Pas comme si ton arme était une arme très forte du DLC. Tu penses que je garde ça ou que je prends le gros bâton là? De le jambon justement. Le jambon à l'os, ouais, exactement. Ouais, je vais appeler deux. Je pense que les deux, c'est pas cool. Allez, hop, là, c'est touchy un peu comme zone. T'es, putain, c'est la run. Oh putain, non mais. Vous avez vu? Vous avez. Je vais mourir. C'est la run. Envoyez. Envoyez les emojis, c'est la run. Azouk. Pourquoi il est là lui? OMG, la pierre de la destinée. J'ai eu la pierre sombre 1 et 3 pierres 1 normales. Je vais m'étouffer avec ma bave. C'est possible. De joie. Mais non. Alors attendez, inventaire des pierres. Invent pierre, comme on appelle ça. C'est la première fois que je dis ça. Alors, 1. Ah mais j'en avais déjà une. Oh. Bon, c'est pas un moment. Ouais, c'est pas un moment marquant quoi du coup. 2. 4. 1. 5. 6. 7. 9. Il manque la 3. Merde. Où est-ce que je peux trouver la 3? On va mettre le jour. Du coup, Flax. Regardez pour la Moonlight. Hein. J'ai une Moonlight? Attends. Ah non, non, la Moonlight, ça sera plus tard. Pardon, oui, oui, c'est vrai. La Moonlight, j'ai confondu avec l'éclipse lunaire. Mais oui, je vais améliorer le Flax. Flex. En fermant les yeux, c'est encore plus impressionnant. Ah. Eh bien, très heureux, Azouk. Très heureux de te faire fermer les yeux. Alors attendez, on va aller au spot de farm du coup. Il est là le spot de farm. On va aller voir si quand même on peut farmer comme un porc. Let's go. Et après on continue l'urnia, ok. Donc là il y a un boss. C'était quoi? C'était Sénésax ou pas à votre avis? Je sais pas. Petit spot de farm là, de l'urnia. C'est la run. Hein. Je veux rien savoir, c'est la run. Je comprends pas. Je dis c'est la run et je vois pas d'emoji c'est la run. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre un peu la vie hein, de streamer. Hein. On stream et tout, on fait des émotes. Et puis finalement, personne n'écrit c'est la run, c'est bizarre. Hein. Ah, le dragon squelettique de ces grands morts. On va aller le contourner très très fort. Merde. Contourner très très fort. Mais putain, mais arrête de suivre mes mouvements en fait. Salut Yaikobis, salut Matabuena, bienvenue. Bon, les objets qui sont là, on va les laisser là. Moi, je vais courir. Ah, mais j'aurais pu faire le tour, je suis débile. Allez, allons là. Là, il y a un mob aussi. Si je peux le tuer, je pourrais récupérer un objet. C'est le mob qui est là, là, qui remplace le... Enfin, c'est un ours à l'aide. Qui remplace le chevalier doré. Ouais,
c'est 7 tours, ok. On va le laisser tranquille. Hop. Oh ouais, alors là. Ben là, je veux rien savoir en fait. C'est la run. Point. Point barre. Le marteau enclume. Le marteau enclume. C'est mon arme ça. Le marteau enclume. Non mais vous avez tout ce que j'ai comme arme. J'ai le clocher d'Elfen. J'ai le marteau enclume. Limite j'ai trop d'armes. J'ai le grand gourdin. Non mais le marteau enclume en fait. X 20. Ok. J'ai que 8. Intel 11. J'ai que 9. Force 39. Ok. Force j'ai 12. À l'aide. Ces petits ours bruns, tu le gères hein? Ouais, je pense que je le gère, mais j'ai un peu peur. J'ai un peu peur quand même. J'ai rien dans ma fiole de salut miraculeux. Testons. Mélange de salut miraculeux. Ah si, j'ai des trucs. Je mets ça en attendant. Ouais, vraiment les trucs de merde quoi. On va aller à la table de la grâce à un moment. On va aller voir si on peut farmer. Let's go. Merci à Basterté pour le follow, bienvenue. Je vais pas du tout abuser là, t'inquiète. Ah bon. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Jamais dans l'excès ici. Qu'est-ce que c'est? Un rocher. Ok, donc je vais aller dans le camp. Après prendre le feu qui est là-bas. On remontera plus tard. Ouh, le petit légendaire là. Miam miam. Allez, un souvenir d'Elden Beast. Terrorisé par les mobs de DLC, je vous le dis. Mais pas que. Non mais l'Urnia quoi. Fuck l'Urnia en fait. Je sais que j'ai laissé un objet. Potentiellement c'est une pierre. Je vais y retourner. Sur YouTube, ouais. Putain, vas-y. Faudra que je regarde parce que du coup, vu que je suis monétisé sur YouTube, normalement je dois pouvoir mettre des emojis. Vu que j'ai 22 000 abonnés sur YouTube, à mon avis, je dois pouvoir mettre des emojis, Azouk. Pauvre Azouk. Il est obligé d'utiliser étoile, étoile. C'est la run. Non, attends. Ok. Le mec est trop discret, quoi. Il pète tout en arrivant. En vrai, je suis vraiment, vraiment bien niveau loot, là. Salut à toi. The Chuck Morris, bienvenue. Ouais, 22 000 sur YouTube bientôt. Hein. Là, je suis à 21 700. Ça monte, petit à petit. Après, dès que tu fais plus du tuto, du Elden et compagnie, ça, c'est pas que ça stagne, mais ça réduit un peu. Mais les vlogs, l'air de rien, ont fait des abonnés. Et ça, je pensais pas. Les vlogs d'ailleurs, tous les gens que j'ai vus IRL m'ont dit tes vlogs trop bien, machin, enfin les gens ultra bienveillants en gros. Et je pensais pas que ça avait autant plu mes vlogs. Je sais pas, voilà. Après ça fait pas hyper beaucoup de vues. Mais en vrai c'est correct. Hein. Ah bon. Tiens, on va pouvoir améliorer deux armes sombres bientôt. Il me faut une pierre sombre 3 par contre, c'est ça le problème. Alors le spot de farm, voyons voir. Roulement de tambour. Combien on gagne? Allez, 539. Normalement, si on attend un peu, on en a un peu plus. Attends, je vais m'asseoir. Allez, c'est beaucoup plus que 539. Ça affiche 539, mais c'est plus. Fais voir. 8706. Ça fait 1000. 1000 à chaque assis debout. Et si on attend un peu, normalement, il y en a plus. Tu vois les cœurs animés? Non. Je les vois pas, Azouk. T'en as envoyé, là? Normalement, si on atteint un peu plus, parfois, on en gagne un peu plus. Mais en tout cas, 1000 runes à chaque assis debout, c'est pas mal. En tout cas, pour le start, c'est cool. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus. Des fois, il y a plus, ouais. Ah, si je me rassois, ça le refait, le 1000. C'est good. Ah non, franchement, c'est goldé. Début de partie, c'est toujours là qu'il faut venir. Pour avoir des runes. Nickel. Bon, du coup, je vais continuer le loot à l'Urnia. Après, on fera la table de la grâce. Du coup, je vais aller là.
On va faire les derniers cimetières, on va faire les dernières zones, et puis ensuite ben, on pourra améliorer l'arme peut-être. Hein. Il faut juste pas que je crève en fait, c'est tout. Il n'y a plus que ça quoi. Ne pas crever. La pierre sombre 1, ça fait du bien. Et je sais pas si j'en ai vu chez les marchands des pierres sombres 3. Est-ce que vous, vous avez souvenir d'une pierre sombre 3 chez un marchand ou pas du tout? Vite. Marisette. Petite question, le DLC à 29€, c'est tout le temps ou c'est limité jusqu'à une date? Non, c'est tout le temps, Laurie. C'est sur PC. C'est quasiment tout le temps, ouais, Laurie. Après, ça oscille entre 29 et 32€, tu vois. Mais c'est jamais plus cher. En fait, c'est les stocks qu'ils ont pas forcément. Des fois, c'est out of stock, mais après, ça revient en stock. Mais ouais, point d'exclamation, IG. Si vous voulez avoir vos jeux moins chers, tous, attention, pas que le DLC et le DLC du coup, à 29€, voilà. Mais sinon, le lien marche avec tous les jeux qui sont sur Instant Gaming. Je suis partenaire Instant Gaming, voilà. Bise, Rigo. Ouais, on va prendre le TP, mais d'abord, quand même, je vais faire ça. Je le fais pas souvent d'aller là. Mais ici, il y a un objet. Qu'il n'y a pas d'ennemis, ouais. Salut Azouk, ça va? Pas trop en PLS sur YouTube. C'est vraiment pourri, non, sur YouTube. Et merci pour la gigantisation des mods, Woozy, pardon, je t'ai même pas remercié. Le fruit enflé du fion, comme on appelle. Ok. J'ai vu un gars qui te plagie, c'est-à-dire Azouk, sur quoi? Vas-y, on veut des explications. On va le voir en direct si vous voulez. Il y a un gars qui me plaît. Mais j'ai reconnu la pote aisément. Ah ok, ouais, c'est bon. Il parle de moi. Vas-y, on va mettre le stream de Ribo sur YouTube. C'est bon, je l'ai maintenant, Azou. Ok. Hop. Ok, c'est pour ma fille et son copain qui veulent le prendre après avoir fini le jeu principal, je leur donnerai le lien. Ok, Lori. Eh bien écoute, nickel. Ça reste, ouais. T'inquiète pas, ça reste la promo. C'est pas le genre de truc qui disparaît, ça. Elle donne en promo sur Instant Gaming, ça sera là tout le temps. Après, tu peux le prendre et t'as un code en fait qui t'est envoyé. Donc si jamais tu veux leur filer le code après, on casse. Enfin, tu peux garder le code et puis après le leur filer. Putain, mais il y a un chariot de merde là. Ça se trouve, il y a une pierre sombre 3. Faut que je sois full life pour aller en bas. Donc je vais aller me reposer au feu, mais je vais quand même retourner là où il y a le chariot. Moi, ça me trigger de ouf de pas pouvoir prendre un objet que je prends d'habitude. Ouais, ok, Azouk, c'est sympa. Salut Microcosme, coucou. Ouais, je vais me casser, je pense. J'aurais un arc, je l'aurais fait à l'arc, mais... J'ai un arc, je crois. Ah, mais il m'a suivi. Le trou de balle. Bon, vas-y, fuck. Pierre sombre 3, on va bien trouver, quand même. Vous y croyez, à cette run? Moi, j'y crois de plus en plus. Hein. Franchement, depuis que j'ai eu les sombres 1, là... Et les pierres... Attends, parce que du coup, j'ai eu les normales aussi. Ça veut dire que du coup, j'ai normal 1 x 3... 10 pierre 2, 3 pierre 3, j'ai pas de pierre 4 par contre. Je crois qu'il y avait un vendeur qui les avait. J'ai pas de pierre 6 non plus, je crois qu'il y avait un vendeur qui les avait. Faudra que j'aille tuer Bernal aussi, puisqu'il loot des trucs. 30 en vigueur, ça me paraît tellement ridicule en vrai ma barre de vie là. Ok, fais voir. Ah putain. Ah putain, il y a le mec qui fait de la putrée autoguidée là, à l'aide. Putain, le canon jarre, quoi. Pierre 7. Allez vous faire foutre!
Salut Noisette. Comment ça va? On est reparti Noisette. On est reparti putain Noisette. Avec les mobs de DLC, ça ouvre encore plus de portes aux dingueries. Ouais, putain, j'avais zappé qu'il y avait les scorpions. Et j'ai vu des oiseaux de pierre partout. Et c'est vrai qu'il y a les... Il y a les mecs aussi qui balancent, tu sais, l'espèce d'éclair rose qui te gèle au sol, là. Ce qu'il y a dans les... Le truc du digital, là. Là où tu vas souffler les cornes. Il y a ces mecs, ils sont foutus partout, du coup. À l'aide. On va passer là. Ouais, gros piège. Et puis il y a aussi les mecs des abysses. Mais ceux-là, moi je suis trop content qu'ils y soient, les mecs des abysses. En vrai, je trouve que c'est... C'est tellement un truc pour le content, le truc des abysses. Putain, un loup de Radagon, là. On va aller chercher les objets. J'espère qu'il bouge pas. Hein. Ah, Noisette, non, les vlogs, je vous en dois 8. Je suis trop... ça m'a trop crevé. Je t'avoue, je vais en continuer quelques-uns de temps en temps. Mais ça m'a quand même bien cassé. Au niveau... Au niveau travail, c'est monstrueux les vlogs. Après, c'est super à faire, hein. Y a pas de soucis. Eh, hey, cendre spirituelle vénérée. Ouais, putain, j'ai pas pris d'esquilles là. J'ai pris 0 esquilles. Ah oui, on peut trouver des esquilles. Putain. Comment tu peux donner le nom du jeu que tu as stream avant-hier avec l'écureuil qui jouait à Max Payne, s'il te plaît. Ouais, t'as la rediff si tu veux, Matamouena, sur ma chaîne YouTube. Principal, ça s'appelle Squirrel with the Gun. 17€ sur Steam. Squirrel with the Gun. Et si tu veux, t'as la rediff sur ma chaîne YouTube. Ouais, bah écoute, merci Noisette pour ton avis. Je suis content que ça t'ait plu. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait vraiment beaucoup de bons retours sur les vlogs et qui m'ont dit mais trop bien et tout. Et j'ai même j'ai un collègue de boulot qui est tombé sur mes vlogs par hasard et qui m'a dit que. Il m'a dit c'est ouf parce que t'es comme dans la vraie vie, dans tes vlogs. Il m'a dit genre en gros tu joues pas un personnage ou quoi. Et du coup j'étais trop content qu'il me dise ça. Et genre de ouf. Hein. Talisman de cavalerie, j'en ai rien à battre. L'Arcanos, c'est pas ça. Ça c'est le pire cimetière. Hein. On va se soigner fort. Ça pour moi c'est le pire cimetière du jeu. Je suis mort tellement de fois là. Catalyseur d'os, je sais pas ce que c'est. Pierre 7. Plus gravitationnel. Et j'ai oublié d'équiper les... il reste un objet je crois. Rune dorée 4, ok. Attendez, je vais... équiper des dagues. Celle-là, t'as. Et on va faire les ballons. Let's go. Je vais quand même me soigner, full life, on sait jamais. Oh putain, il y a une vierge de fer là. Putain, il y a un golem de ces grands morts là. Caboche. Le plaisir d'avoir ce mob là. Au top. On casse. Le bouclier visage. J'en ai absolument rien à foutre. Superbe. Hey. Putain, le loot de merde. Abusé. Wouah, eh bien, j'ai eu que de la daube. Ok. Le jambon, c'est quoi les stats? Je sais même pas. Parce que le jambon, je peux l'améliorer plus que les flax. Flaxiflex. Y'a pas un feu? Ah si, là. On va le prendre, on va se reposer. On va garder les dagues en main pour péter le mur. Non, j'aime pas les lames de gargouille. Hein. Je trouve que ça fait pas assez de dégâts. En fait, pour ce défi, je pense que le game changer, c'est saignement et congélation. Si t'as les deux, c'est win, en gros. Je pense que si t'as pas saignement et congélation, vraiment, c'est beaucoup plus dur, le défi. Ok, un mec avec un pot. Du coup, faut leur péter la gueule ou pas, ces mecs? Et ouais, du coup il y a des trucs dedans. Tête de libellule, ok. Donc là, attends, je balance ça. J'active ça. Salut Sandro. Coucou. Comment ça va?
lui à l'aide. Ça vous dirait pas d'aller vous faire foutre en fait? Genre juste bien bien profond, bien bien loin. Comment ça va Sandro? Bienvenue à toi. On est sur une All Bosses No Death Randomizer et on est à zéro boss, bien sûr. Wow. Petite question, hein. J'ai jamais fait de Elden Ring, est-il trop tard pour commencer l'histoire? Non, il n'y a jamais de trop tard, hein, fonce, hein. C'est trop bien Elden, c'est sorti il n'y a que 2 ans, hein. Bientôt 3, allez, bientôt 3 en février, mais c'est sorti il n'y a pas hyper longtemps quand même. Moi j'ai fait des guides sur le jeu, si jamais tu galères, mais franchement, fonce, hein. C'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Hein. Et il est vraiment jamais trop tard pour commencer, et ça marche aussi pour d'autres jeux qui sont sortis même en 1989, tu vois. Merci Sandro pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup. Genre, même si vous voulez commencer Metroid avec Super Metroid ou Metroid Zero Mission sur GBA, il est pas trop tard. Hein. Foncez quoi. Cimetière de merde. À l'aide. Bah, qu'est-ce que c'est? Putain, mais il y a des scorpions de partout dans ma run là. Ouh, pierre 3. Attends, non, c'est quoi? C'est les 4 qui me manquent. Merde. Pierre 3, je m'en fous moi. Ok. Petit objet bien placé là, je trouve. Petit objet super bien placé, je crois. Vas-y, on fait le tour du scorpion, on passe devant, voilà, on va pouvoir faire du cac poison, cac des minces. Fragment d'os béni pour fabriquer des serments dorés. Et on a ici de la merde. Ok. Bon, on a bientôt fini le setup du coup. On ira taper. C'est le cristal. Comment ça va, cristal? Coucou. Et salut à Rage Tête de Fraise aussi, coucou et bienvenue. Ça marche aussi pour DSE, exactement. Ah non, mais DSE, c'est pour moi, c'est le meilleur Souls. C'est mon Souls préféré, DSE. C'est le meilleur. Je suis d'accord, il est au-dessus. Level design au-dessus. Effet what the fuck des raccourcis au-dessus. DSE supérieur à All. C'est les mains empoisonnées, ok. Je suis pas mal à niveau poison, là. J'ai pas mal de trucs pour le poison. L'air de rien. Ouais, j'ai pas fait DS2, c'est vrai. Tout plaqué pour jouer à DS2, hein, finalement. Est-ce qu'on couperait pas le stream Elden pour faire DS2 et ensuite Black Ops 6? Ah ouais. Oula. Bébé. Sacré doigt, là. Tino Death DS1. Ouais, j'avais prévu de le faire. Hein. De toute façon, j'ai... Avec ce défi de merde, là, on est obligé de tout arrêter, quoi. C'est pas possible. Hein. Si t'es pas concentré sur le défi, tu peux pas... Je peux pas avancer en fait. Pierre de forge sombre 5 x 3. Attends, mais j'en avais pas des 5 en plus, je crois. Là, j'avais pas la 5. Ah si, 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 j'en avais une. Mais putain, j'ai pas de 3 à l'aide. C'est où là? Ah oui, c'est là. Bon, là, on va pas jouer au con, hein. On va pas aller dans le vide. Je suis pas chaud là de crever. Pour mon first try. Ok. Moi, quand je dis que DS1 c'est un monde ouvert, on me prend pour un taré, Rage Tête de Fraise. Mais pour moi, DS1 est un monde ouvert. Ah ouais! La lance de feu. Ça, c'est bien hein, d'avoir ça. J'ai eu des pots aussi. Ok. Nickel. Bon, on a bientôt fini. Je sais pas si je ferai le cimetière du village de Démence. En vrai, ça me terrorise, Ilgore, d'aller là-bas. Faut que je ferme ma fenêtre, j'ai trop froid. Il fait froid à Paris quand même. Tac. Ça c'est une fausse clé, non? On est d'accord. Clé de pierre d'éclat de l'académie, ça je peux pas ouvrir la porte, non? Bah moi je me dis que tout est interconnecté dans DS1, en fait ça en fait quasiment... Bah, c'est pas vraiment un monde ouvert, mais... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est un très bon mix entre couloir et monde ouvert, quoi. On continuera cette run peut-être dimanche soir ou sinon lundi soir, d'accord? À 17h30 lundi et dimanche soir si je suis en forme, vu le soir. Sceptre de l'omniscient. C'est quoi ce que j'ai aux épaules? Ah, c'est l'armure qui fait ça, Cristal.
C'est l'armure qui fait ça, c'est les petites ailettes de l'armure. Je crois qu'on la trouve à l'Urnia justement cette armure. T'es pierre 6, cool, x 2, nickel. Il fait 30? Mais non, aujourd'hui ils ont prévu 30. À Paris. Mais le problème c'est que lui il va me suivre jusqu'à l'infini là. Non, puis, en plus quand tu le replaces à l'époque, Rage. Dans son époque, DS1 c'était une masterclass. 2011 le truc. Le truc il a 13 ans, il foutait par terre tout le level design de tous les autres. Tu la connais pas cette armure? Si tu sais c'est le gars qui est là, Crystal. Attends, je vais te montrer. C'est un mec qui est spectral et qui se téléporte. Il est juste là, justement. Il est là devant cette catacombe des couteaux noirs. Il est là, le mec. Alors, continuons. Allons nous faire péter la gueule. Je sais plus par où il faut passer. Ouais, je sais pas. Je suis pas sûr du saut. Salut Drockmar TV, coucou. Salut Chacha de fou, coucou. Hola chicos, hola Chacha de fou. De l'autre côté de l'escalier, il y a un bousillier. De ce côté-là? Je savais même pas. Moi, c'est... Ah bah tiens, je l'entends. À droite. Moi, le seul truc qui me manque dans DS1, c'est de pouvoir marcher en me soignant. Pour moi, c'est le seul truc. Putain, mais j'ai jamais fait le bousier d'ici. Il y a un bousier, là. Je l'entends, mais je le vois pas. Ah, il est là. Bah fuck. Comment tu vas, Crystal? Tu joues un peu à Wukong, encore? Bon, ça me dérange pas, par contre, perdre la stamina quand tu cours, pas en combat, c'est dur après avoir fait Elden. Ouais, j'avoue que c'était... C'était quand même hardcore, hein. À l'époque. Putain, mais y a pas un objet? Ou j'ai rêvé? C'est après les objets? Ah ouais, ok. Ok. T'as pierre 4 x 1. Nickel. Plus que 2. Je suis pas mal là. Je suis pas mal. Et puis y a Pat aussi. Faudra qu'on fasse Pat. Pierre de forge sombre 2. Ok. Putain de Mugi de merde. C'est la run Mugi only là. T'avances pas vite, il est long le jeu en vrai. Salut Lirgen. On tente, on est sur le first try de la All Bosses No Death Randomizer. Ok, donc on a fini le setup, mesdames, messieurs. Je vais juste aller jeter un oeil là-bas. Le cimetière qui est là-bas là. Juste voir si c'est la merde ou pas. Putain, l'armure goldée. Face de verre là. En vrai, la malmort, c'est ça aussi, ça terrorise. La malmort terrorise de ouf. On va aller au cimetière là-bas. Passant par ici. Tac. C'est rare que je le fasse celui-là. Très, 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 très rare. T'as le... Ouais, non, j'y vais pas. J'y vais pas, en vrai, le bousier, c'est la mort assurée. C'est là qu'il y a un cimetière. C'est pour ça que j'y vais pas, en fait. C'est trop énervé en termes de mob et de trash mob et compagnie, là, ici. Tac. Ah ouais. Faire 5 x 1. Presse de Mesmer. Ah, il y a légendaire, putain. Ça valait peut-être le coup de venir. Pas du tout. Et là, comment tu te casses? Ouais, j'ai récupéré vraiment des bons trucs.
Randomizer et tu as déjà un bouclier, armure, mausolée et une super... Ouais, regarde tout ce que j'ai fait. Regarde tout ce que j'ai fait, Lyrgène. Donc allez, on va aller à la table de la grâce, c'est parti. On va aller voir les objets de la table. C'est parti, allez au bastion. Let's go. On va aller filer toutes les perles des marchands qu'on a trouvées. Je sais pas si j'ai pris toutes les perles par contre. C'est possible que j'en ai oublié. Putain, fais chier, j'ai pas fait mon écran, mon nouvel écran de pause là, je suis dégoûté. Je voulais vous montrer mon nouvel écran de pause. Bon, ça sera pour le prochain coup. Hein. Ouais, j'ai les mobs du DLC et les boss du DLC, ouais. Cristal. Ouais, ouais. C'est pour ça que je m'y suis remis, hein. Sinon je m'y serais jamais remis. Putain, mais c'est quoi cette bouteille d'eau, elle est pas à droite. T'inquiète, Elirgène. TKT. Ouh, il a la classe. Oh, welcome to I teach and explore so that one ensuring by the way. Alors, qu'est-ce que tu vends, toi? Flamme renforce-moi. Ouh, putain, protect magie. Ah bon, la lame déchaînée d'Angeback. Frappe les ennemis à l'aide d'une lame de feu sanguin dans chaque main. Je crois que c'est fort, ça. Ok, bon, j'ai déjà la résistance à la magie, ça c'est ultra cool. Pour justement Renala et Relana, oui. Ils vendent pas des trucs, lui? Non, je sais pas. Putain, vas-y, j'ai pas fait de boss, on va aller faire des boss. Là. Allez, vous vendez quoi? Putain, pierre 3. J'en ai 4. Merde, c'est pas ça qu'il me fallait. Renforce d'attaque chargée pour une durée limitée. 8000. C'est cher. Oui, le digiton bon boss. Oui, le son de digiton bon boss. Ok. Ça, ça scale sur la foi. Ok. Ouais, y a pas de truc de fou quand même. On va regarder. Offrir les perles. Alors, on a Calais. Marchand 1. Marchand 2. Marchand 3. 4. 5. Putain, mais les menus, y a un problème là. C'est leur mise à jour de merde là. Ça met 20 ans à. Trafiquer digito digito. Je me demande si on peut mettre feu sanguin sur les Flyx. Non, les Falx, c'est armes sombres. On peut pas, malheureusement. Bon, ça, c'est pour augmenter ma foi. Les attaques sacrées. Ça, je voulais prendre aussi. Ok, je regarde juste les pierres. Hein. Pierre 4, il y en a une, je prends. Il y avait la torche anti-bête aussi. Pierre 2, merde. Pierre 2, j'en ai 6. Pierre 8, j'en ai pas, mais il y en a 3 que je peux acheter là. On va se les garder sous le coude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pierre 7, bon, j'en ai 9. Ok, là, il y en a 4. Là, il n'y a pas de pierre. Là, il n'y a pas de pierre. Là, il n'y a pas de pierre. Calais. Alors, regardez ce qu'il me vend, Calais. Bam. Ezo 16, force 28. Hé, hey, Ezo, j'ai 14. Ah, ça, c'est intéressant. Très très intéressant. On peut mettre feu sanguin sur le croc. Ah. Ah oui, feu sanguin, pardon, pas le truc de... Ok, ok. Oui, oui, c'est bon, je l'ai. Pierre 2, tu en as 6. Donc, ça fait une équation de... De merde. Une équation de merde. Je sais pas. Du coup, je vais prendre juste ça. Normalement, tu peux pas enchanter une arme qui a un élément déjà. Le bleed étant pas un élément. Bah, du coup, sur le croc, ça fonctionne. Après, je sais pas si ça marche sur le flax. Flex. Merci, Wozy, pour ce clip. Ah, le deuxième camion poubelle. Bon, je vais le prendre quand même dans ma besace, ce truc. Ça vaut que 800, donc je prends. On a des graisses, ok. Après, en termes de pierre, ok. Là, je finis les 6 avec ça. Ok, donc 6, c'est good. Pierre sombre 4. J'ai pas de pierre sombre 3, hein. De ce que j'ai vu, non. J'ai même pas regardé les sombres 3. Là, il n'y a pas de pierre. Merde. Je fais comment? J'ai pas de sombre 3 à vendre. Merde. Où est-ce que je peux trouver une sombre 3, à votre avis? Pâte. On va aller faire pâte. Hein. On va être obligé. Olé.
Ah ouais, le camion. T'as des pierres 3 classiques? Ouais, je crois. Attendez, inventaire des pierres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc j'ai, il me manque une pierre 4 quand même. Pierre 5, pierre 6 c'est good, pierre 7 c'est good, pierre 8 aussi. Donc en fait il me manque une pierre 4 pour pouvoir maxer une arme là. Non non t'inquiète Romain, je t'oublie pas, je pars à 11h. Je cut à 11h. Ne t'en fais pas Romain. Tu me dis si t'as du retard sur Discord, ok. Comme ça je vois. Mais les à l'ombre, ça fera des pierres sombres. T'es à l'heure, ok. Ok, ok. Tu vas où? Il y a grosse soirée là, Crystal, sur Paris. Il y a tous les streamers qui viennent sur Paris et on fait grosse soirate aujourd'hui. Il y a Carcy, il y a Owa, il y a Robin, il y aura Kalia. Il y aura vraiment du monde. Hein. C'est la sortie streamer. Et là, du coup, j'ai pas la 3. Ouais, donc en fait, je suis niqué. On va aller buter pattes en vrai. En vrai, on va aller exploser pattes. Hein. Il est là. Hein. On va aller le déchirer. Mais ouais, Ouzi. Mince. Bon, de toute façon, il y en aura d'autres. Ah hein. Non, photo, photo. Enfin, moi, je ferai pas de vlog aujourd'hui. Parce que je pense que déjà, tout le monde sera bourré. Donc, je pense pas que ce soit le meilleur moment pour vlogger. Enfin, pour vous, si, c'est le meilleur. Mais pour les gens qui sont filmés, non. Et du coup, photo, ouais, il y aura une photo de groupe et puis voilà. Et puis après le reste, ça sera secret. Ok. C'est pas la nuit donc ça va. Pierre 7 x 3, j'ai pas en acheté. Ah mais non, j'en avais déjà plein. J'en avais 9. Du coup j'en ai 12. Super. Salut Slaze, coucou. Ouais, on va aller voir Pat, le boss le plus dur du jeu. Hop. On peut descendre là, je crois. On va se faire envahir. Hein. J'espère que c'est pas... Ah oui, putain, mais les envahissements, ça peut être du coup des envahissements de, du DLC. Ça aussi c'est random. Oh putain. Non mais en fait s'il y a lui je suis mort quoi. Non mais attends, il va pas rester là lui en fait. Non mais vas-y je me... Putain c'est dingue. Wow. Attends. Ça va le scaling, c'est pas trop, c'est bon. Putain les patates. Non mais les patates. Non mais. Non mais. Je vais mourir. Mais putain mais viens Yura en fait. J'ai plus de soins. Ils ont cassé. Je peux pas les faire patte, en fait. Non, mais les dégâts de l'espace. Non, je vais pas avoir son arme parce que c'est en randomizer. On est en mode randomizer, donc tous les loots sont aléatoires. Salut, Donokyo. Ah, enfin du Elden. Et ouais, c'est vrai que on en a pas fait beaucoup sur la chaîne, je comprends. On en a fait zéro du Elden, ouais. On n'a pas beaucoup joué, ouais, ces temps-ci. Oh, mais je savais pas que t'avais changé de taf, Crystal. Je suis au courant de rien, moi. Tu viens plus aux soirées.
Je savais pas que t'avais changé de taf. C'est quoi le boss là? Olé. C'est lequel? Ah oui. Ok. Bon attendez, j'y retourne, mais ça pue quand même. Moi, ce que tu m'avais dit, c'était il y a longtemps, tu m'avais dit que t'avais changé dans ton taf actuel, t'avais changé de zone, on va dire. Et du coup, c'est bon, c'est ça? Ou t'as carrément changé de taf total, quoi? Salut Kourisou, comment ça va? Bienvenue. Après, tu ne regardes plus, tu n'écoutes plus depuis que t'es devenu célèbre. Je suis pas célèbre. Ce qui est sûr, c'est que je vous écoute pas. Mais oui, mais je suis pas célèbre. Juste deux zones. Ah, d'accord, ok. Bon, GG Crystal. Putain, ça a pris du temps quand même, je trouve. Et non, mais lui là, il est trop fort en fait. Il est beaucoup trop fort. Il fait trop de dégâts avec sa foi de merde. Ça fait trop de dégâts. Mais ça revient. On va le bourrer à deux là. Ce fils. Et j'ai plus de mana. Jamais je pourrais faire patte. Jamais. J'aurais dû améliorer l'arme en plus 2 ou plus 3. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. J'ai plus que 3 soins, il est trop fort. C'est un combat de boss. T'es le fils de flûte, quoi. Conseil quoi, je joue mage. Je suis pas au DLC. Je suis au niveau 110 avec 70 d'intel. Non mais vous avez vu ce connard de dingue, putain! J'ai toujours le katana d'éclipse lunaire. J'hésite à monter plus 4 en force pour jouer l'épée lunaire de Rani, j'hésite. T'es pas mal niveau 110 avec 70 d'intel. L'épée de Rani, c'est la meilleure épée du jeu.
J'ai une idée. Du coup. Tac. Ok, alors là je suis en surcharge, du coup. Et ouais, parce que j'ai pas d'endu, c'est la merde. C'est grave la merde, je vais être une chip si je prends ça. Comment je le tue? Comment je le tue? Non mais t'as vu ça? Putain, mais les dégâts qu'il fait, c'est abusé. C'est abusé. Saignement droit devant. Ouais, mais je peux pas la porter, en fait, c'est le problème. Parce que le jambon, en fait, il me faut juste deux en... En éso. Après, force, 28 divisé par 2. Ça fait combien, ça? 14. Combien il faut pour porter ça? 28 divisé par 2. Combien en force? 12. C'est pas. Ça, ça tape. Ça, ça fait pas du bien. Attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'ouvrir les... Attendez, c'est ça les armes. On va essayer d'ouvrir les coffres en bas, là. Il y a peut-être des pierres. Une sombre 3, là. Mais putain, mais le Dane, il envoie le pâté. Hein. Il envoie la max. Hein. Salut, vous dites, faut pas sur YouTube. Salut, c'est toi qui trouve un fun de... Oui, c'est moi. 19, il faut. Et merci Firework pour les 9 mois. Happy birthday, en fait. Gâteau. Gâteau à gâteau toi. Gâteau d'anniversaire. Gâteau d'anniversaire. Merci Firework. Merci beaucoup pour les 9 mois. Pour une arme à 28, il te faut faire un rapport 1,5. Oui, je sais. Mais je sais plus. Je sais pas calculer. Donc 19 en force. J'ai 12. Et si j'améliore celle-là? Accumule du saignement. En vrai, je suis pas fan de l'arme. Putain, je suis pas fan du tout. Je préférerais le jambon, quoi. Jambon de glace, en fait. Jambon de glace et de sang. Je vais monter encore mes... Vous hissez les bas, Flopa a offert un abonnement de niveau 1 à double cac. Double cac. Merci beaucoup, Wuzi, pour le sub-gift. Merci infiniment. Double cac. Ou cake. Merci. Bah vas-y, si, je vais les améliorer, hein, je suis obligé. Hein. Ouais, putain, vas-y. Je suis dans la merde, je peux pas aller faire pas de putain. 19 plus 19, point 1,5, 28. Bah, ça me va. Donc 19, il me faudrait. Attends, tu vas voir les talismans que j'ai un peu là. Protection... Ah oui, c'est vrai que j'ai ça aussi. Ça, c'est pour augmenter ma dex. J'ai 20 en dex. Ok. Et ça, il faut combien? Force 12, dex 15. Donc, je peux virer ça? Ouais, je peux virer ça. Et je peux mettre ça à la place. Six mois d'avance grâce au September. Attends. Ah! À qui? Toi? Tu as offert 6 mois à démoler un cake? Non. Non, je vois un mois. Un mois de niveau 1 à démouler un cake. T'imagines, tu vas prendre 6 mois à démouler un cake. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Est-ce que j'améliore ça ou pas? Je peux jouer avec ça après en vrai. Ça peut être pas mal. Hein. J'ai juste pas la pierre 3 en fait. Là. Je voulais aller chercher la pierre 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Moi je voulais améliorer le jambon jusqu'au 4. Sauf que je peux pas le porter, le con de jambon. Ils sont bons tes calculs, t'inquiète Elirgen. J'ai un giga mal de crâne et il y a un enfant qui gueule. Est-ce que t'as pas mal au crâne à cause de ça, finalement? Pierre 4, on est d'accord, il n'y en a pas à vendre. Hein. Le problème, c'est que je peux pas porter le jambon. Attendez, je vais essayer de porter le jambon. Dans tous les cas, le jambon, je vais l'améliorer. Il faudrait que je sois... Peut-être faut que j'enlève ça. Charge lourde. Ok. Charge moyenne. Ça, c'est une putain d'armure, en vrai, pour le poids que ça fait. Ok. Et... Ouais, le jambon il est lourd. Hein. Il est lourd de ouf, hein. Vous avez vu, je peux pas le. Je suis en charge lourde là.
Comment je peux être en charge moyenne là? 32. T'es une charge lourde même avec un pyjama quoi. En pyjama. Charge lourde même en enlevant les jambières. Allez donc. Attends, mais je peux peut-être changer et mettre le pyjama? Non, je suis charge lourde aussi. Je pense qu'on va aller farmer des levels de... Des levels d'endu. On va y aller. On va aller farmer au moins des levels pour que je puisse porter ça. La joie d'être parent. Oubliez le calcul mental en fait. C'est ça. Mais non, mais c'est ça. Si je mets ça en endu... Le problème, c'est qu'il me faut 2 points des eaux. Donc on va le faire, déjà. 1 point. Salut le requin gamer, comment ça va? Ça va vite. Hein. En vrai, ça va aller vite. 7000. 8000. Ouais, dès que tu t'assois, en fait, c'est 1000. C'est banger. Alors, montée de niveau. Du coup, on va remettre un point en ESO. Voilà, donc là, j'ai les 16 en ESO. Ensuite, il me faudra 19 en force. Et après, on va monter l'endu. Le truc, c'est que je suis bête, mais j'ai aussi ça. Regardez. Les runes brisées. Tac. Pas mal, ça. Regardez, j'ai des runes dorées 9. Oh, on va pouvoir les monter, les levels, là. 11 000. Bam, allez. 17 000. Ça va aller vite. Des bisous, noisette. Merci beaucoup pour le bon jeu. Des gros bisous. N'hésite pas à repasser. Allez, un petit café, je vais chercher ma poubelle. Ah. Tu vas chercher ta poubelle. Mais... Normalement, on les emmène quelque part, les poubelles. On va pas les chercher. Tu fais les poubelles, Crystal. C'est ça. Montée de niveau. Ok, je peux prendre 2 levels. On m'a dit 19 en force. Plus que 5 points de force. Et après on montera l'endu. J'ai des trucs à vendre aussi. Si tu les amènes, faut bien les ramener, non? Non mais je veux dire, attends. Normalement tu amènes tes poubelles dans une... Enfin tu vois? Ah peut-être que non. Peut-être je suis con. C'est que... Tu vis dans un endroit peut-être où tu dois amener tes poubelles quelque part et après ils les récupèrent et ensuite tu les ramènes chez toi. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Vous savez, à Paris on est habitué, on est mal habitué. À Paris on n'a pas à le faire ça. Mais dans l'Aveyron, ouais. C'est sûrement ça, ouais. C'est sûrement ça. J'ai plus de runes? Si, je crois que si. J'en ai plein des runes. Ah ouais. Regardez, on va tout consommer. Tac. 17 000. Hop. On va prévoir aussi pour améliorer le jambon un peu. Tac. Ok. Bon, 23 000. Je suis pas mal là. Est-ce que déjà, si je le passe à deux mains, on va regarder parce que c'est peut-être 18 qu'il faut. Attendez. Hop, je passe à deux mains. Non, ça marche pas. Faut de la force. Je suis tellement content d'avoir les points des eaux qui sont hauts de base. Endu. Non. Force. Ouh, plus que 2 points. Nous à Marseille c'est simple, les gens n'importe quoi, n'importe où. C'est vrai ça Nono? Les gens ils déversent? Ah merde il pleut, et bien plus tard Crystal. Et ben voilà. On avait dit 10 boss, je pense que je peux les faire avant 11h. Si j'arrive à améliorer ma putain d'arme, on peut les faire. Ils jettent partout, ben putain. J'ai pas regardé combien il fallait. Et on a dit 2 points hein, de force encore. Hein. 2 points, on pourra faire ça. Ça faisait pas du sang normalement? C'est le R2 qui fait du sang? Ah ouais. Vous savez que j'ai jamais utilisé cette arme. Hein. C'est la première fois de ma vie que j'utilise cette arme. J'ai le jambon, putain. J'ai le jambon. Vous avez le jambon, vous? J'ai le jambon. On va essayer avec 18. Ah, 18, ça marche pas. Ouais, il a raison, il est regen, c'est 19.
J'ai le jambon. Vive le jambon, voilà. Tu veux une tranche, Cristal? Tu veux combien de tranches? Qui veut une tranche, là? Petite tranche de jambon, là, pour Campion. Allez, hop, c'est parti. J'ai le jambon, putain. Deux secondes. Voilà. Ça va cogner sec. J'espère, ouais. J'espère. Le gras, c'est la vie, ouais. Qui veut la couane? Ouais, je pense que ça va tabasser fort, ouais. Franchement. Content d'avoir ce jambon. Et en vrai, le spot de farm, ça me sauve. De toute façon, je l'ai fait à chaque fois, donc je vais pas culpabiliser de faire ça. Vas-y, fuck. Si je veux pouvoir jouer aussi. Il faut 10 000. Attends, non. Indu. Non, c'est pas ça. Force. Voilà. Donc là, c'est bon. Je peux porter le jambon. Salut Sasuke, comment ça va? Ok, donc là, je peux utiliser le jambon. Ça, c'est cool déjà. Et après, il va falloir prévoir d'avoir de l'indu pour pas être en fatrol. Et des sous pour l'améliorer, quoi. Ouais, donc on farme une heure, en gros. Ouais. Avec un serrano. Ouais. Avec un serrano. Attendez deux secondes, du coup. Hop. On a le jambon Galdra. J'ai dû acheter un mouche bébé pour Walt un jour. Ce fact est réel. Non, ça me fume. Ils m'ont expliqué du coup ce que c'était un mouche bébé. Et du coup, que t'as dû aller à la pharmacie demander un mouche bébé, ça me fume. C'est trop rigolo, putain. Bonne nouvelle, ouais. Par contre, au niveau des stats, c'est gourmand. Et c'est surtout au niveau du poids. Et c'était la première arme que me vendait Calais quand même. Attendez, peut-être que si je vire... Attendez, mais... Ah, j'avais ça pour... Ah non, ça c'est pour la foi. D'accord, c'est le casque de foi, celui-là. J'ai pas d'autres trucs qui me filent des bonus à part C2, ok. Ok, ok. Sinon, j'ai ça. Où je peux gagner un peu de poids, mais... Là, je suis à 41. Je serais obligé de mettre ça, dans tous les cas. Putain, même là, je suis en charge lourde. Bah, faut que je monte l'endu. Clairement, faut que je monte l'endu. Après, à la limite, les... T'as dormi un peu, Galdra? Il éternuait 140 fois par jour, j'ai dû l'aider. Mais tu sais que c'est arrivé à Kalia là, la semaine dernière, justement, elle avait son chat qui faisait que éternuer. Elle en pouvait plus, et du coup, peut-être qu'il lui aurait fallu un truc comme ça. Attendez, je reviens. Deux secondes. Thank you.
Allô ? Je suis là. Ouais, j'ai eu la notif, Lenlen. J'ai eu la notif, on va aller chez toi quand j'aurai fini. Re. Je suis allé poser ma pêche, c'est faux. Salut Number One, salut Gandalf. Ah bon? Comment ça va tout le monde? Et ouais, je suis parti en pause, donc il doit y en avoir qui ont dû en profiter. Des bisous Illyrgen, des bisous. Salut Lenlen, des bisous. On essaye de farmer pour essayer le jambon. C'est la première fois que j'utilise le jambon. Galdra, tu vas le faire le défi du coup? Tu reprends quand, Galdra? Besoin de savoir. Je tiens à préciser que l'on n'a pas eu le clip aléatoire. Mais non, parce que c'est ce que j'ai dit, j'ai pas eu le temps de faire mon nouvel écran de pause. Demain, si je dors. Mais dors! Mais va dormir! Moi, je stream plus tant que tu dors pas. Prouve que tu dors. Ah, tu pars pas? J'ai cru que tu partais, Illyrgen. Ah bah alors, coucou Illyrgen, je te fais des bisous parce que t'es là. Ah merde. Oh mais attends, comment on peut faire pour faire dormir Galdra? Et si je parle comme ça et que je fais un stream qui est super dynamique comme ça? Actuellement, je suis en train de farmer des runes. Pour essayer d'avoir des niveaux d'endurance supplémentaires. Gars, mec, dégène quoi. Mais quoi, putain. Il faut que t'ailles voir la rediff du début de quand j'ai découvert ce jeu d'écureuil with a gun là. Tu vas mourir de rire. Salut Stéphry, comment ça va? Allez, montez de niveau. On avait dit quoi? On avait dit l'endu, du coup. Je peux rouler ou pas? Putain, toujours pas. Attends, et si je change de truc? C'est pas mal, c'est pas mal. On est pas mal, là. Là, je peux rouler. Je peux rouler, taper. Il me faut quelques runes et on peut taper. On va améliorer l'arme. Non. Mon spot de farm est fini? Mais non. Non, c'est bon. L'écureuil, c'était monumental. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé, putain. Je vais regarder la vidéo sur YouTube, surtout. Mais oui, t'as raison. Avec cette minia de légende. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Après, tout est pas bon. Tout est pas bon. Franchement, tu regardes le début, un peu le milieu et la fin, tu vas te... Mais franchement, tu vas te fendre la gueule. Salut, Alexandra Timfiakopoulos. Bienvenue. Coucou tout le monde, je suis nouvelle sur le live. Et bienvenue, hein. Quel pseudo. Quel pseudo! Je m'y attendais tellement pas. Et depuis, elle est bien améliorée. Mais j'ai pas mis les dents. Y'a que toi qui as vu la version avec les dents. Ah ben non, je l'avais posté sur mon Discord aussi. Tu t'es bien identifié au petit rongeur. Ah oui, dès le début. Dès le début. Pourquoi je prends des runes? Ah oui, pour améliorer l'arme. Il faut combien à votre avis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11 niveaux à passer. Ouais, il faut au moins 20 000, je pense. Hein. Et merci, Alexandra Timfiakopoulos. Bienvenue. J'ai remarqué le VOD hier d'écureuil en jouant à Wukong. Ça passait bien. Je dois tellement dire de la merde. Pourquoi je prends des runes? Ouais, qu'est-ce que je suis en train de faire? Putain, je vais devoir couper le stream, là. Fais chier. Je vais devoir couper le stream pour aller à la gare. Mais dans une demi-heure, hein, dans une demi-heure. Allez, ouais. 30 minutes. Riboscrat, ouais, exactement. Bah écoute, du coup tu découvres Elden, Alexandra, ou tu découvres le défi? Ou aucun des deux? J'espère que le live des devs avec les vrais écureuils est toujours là. Franchement, je sais pas, faut aller voir sur Steam à mon avis. Bon allez, on avait 1000, on y va. On y va, on y va. Au pire, tu dis à Romain que tu voulais pas et que tu coupes comme ça, ouais, le mec toxique, tu sais. Oui, au fait, je continue mon stream, je viens pas te chercher. Le gars toxique au possible. Petit stream IRL à la gare, vous voulez que je mette une GoPro sur la tête? Moi, j'attends la GoPro Hero 13, dès qu'elle sort, je l'achète. Salut, wow. Enyotna, coucou. Ok, petite arme cool. On prend ça. Mais je prends ça parce que tout le monde prend ça, moi, j'ai jamais utilisé cette arme et je sais pas ce que ça vaut.
Ah oui, j'ai plus de runes. Super. Et bien, on va y retourner, du coup. Bah ouais. J'ai bien fait d'y aller au scope de farm. Salut, Roy, ouais. C'est ça, ouais. J'ai pas envie que tu me vois. J'ai pas envie que tu me regardes. Ça va, Roy, ou quoi? Vu avec Illyrgène, prends le truc, tu sais. Ok, je ferme les yeux. J'écoute ton stream uniquement. Ouais, on fait une soirée streamer. On fait une soirée de streaming intense. Y'a moyen là? Bon, ça va bien, écoute. C'est ma première run et j'ai eu le jambon chez Calais. Et je me suis fait arracher parce qu'il y a Dane, morte couille, qui garde l'entrée de Pat. Donc je peux pas aller voir Pat. Parce que Dane, en fait, en deux coups, il me bute. Quasiment. Voilà. Donc ça pue. Renforcer une arme. Hop. Pourquoi j'ai froid? Voilà, il me manque une pierre 4. Pour maxer l'arme. Attention. Pour passer le jambon en plus 25. Pour passer en Serrano plus 25. En Ertas en nitrite plus 25. Je clique. Il dépop et du coup tu peux rentrer dans la grotte? Ah, je savais pas ça, merde. Parce que du coup je l'ai fait dépop. Ah ouais. Et tu peux après aller voir Pat. Je savais pas. Merde. Ouh. Eh ben, il y a, par contre je trouve que la run elle est costaud. Niveau trash mob et niveau en tout cas ben, la première invoque que j'ai eue. C'était Dane. Tu fonces au fond direct en gros et il a à peine le temps de pop qui te dépop. Ok. Ah bah je vais y aller alors. Par contre il me faut une pierre 4 du coup. Merde. Mais Pat il l'a, c'est sûr. Ah ouais. Oh vas-y. Dis-moi qu'il l'a. J'ai fait un try. Oh, franchement le DLC on va juste crever. Après un setup 160. Non mais c'est ce que je disais, c'est que t'arrives dans le DLC, du coup t'es à 165 potentiellement. Même pas, non. Non, tu fais pas Radagon. Mais bon, allez ouais, t'es à 160. Et là, bon, t'arrives, machin, tu comptes tes billes. Hop, one shot. Voilà. Merci d'avoir joué. Guara chez Relana. Les gargouilles chez Zenesax. Et B. On va se régaler. Il est trop fort. Mais va te faire foutre Dane en fait. Oui, pour l'instant j'ai zéro esqui, Illyrgène. Merci pour ta participation. Et encore, si t'as le médaillon dans le DLC, c'est encore plus rigodrôle. La vie est un étron. Encore un défi qui va durer un an. Alors déjà, Stéphane, le premier défi, j'ai juste mis 4 mois et 11 jours, donc c'est pas un an, c'est un trimestre, ok. Oui. Donc, stop. Eh ben, merci Galdra, je savais pas. Je savais pas ce truc, donc, trop content. On peut skip l'invoque. Trop bien. Je suis content d'avoir Galdra, là. Les larmes de vie uniquement dans le DLC. Ah. Illyrgène, il a des super idées. Quelqu'un peut ban Illyrgène? C'est ma première run, ouais, Enyotna, là. Ma Uno. C'est la run Uno. Pourquoi je sens qu'on va être... on va se faire fumer par les mobs. Attends, on va tuer lui là déjà. J'ai envie de crever. Ok, bon, vas-y, on va foutre. Et toque le fog. Quelqu'un peut bannir Heroi? Et
C'est mon premier kill avec le jambon de toute ma vie. Ah, oh, super. Le scarabée larmoyant cérulien, c'est nickel pour avoir des protections négatives. Et le homme marteau du creuset. En fait, j'ai tout le DLC dans le jeu de base. Et peut-être j'aurai tout le jeu de base dans le DLC. Donc peut-être qu'Elirgen a raison. Quelqu'un peut me ban, s'il vous plaît. Le SMS qui a foutu en l'air la nuit de Galdra, quoi. Moi, j'ai jamais dit que je voulais qu'il envoie un SMS. Comment ça, t'es à 16h sur Supermarket, Galdra? Après, t'es étonné. Ah oui, 16h de jeu sur Supermarket Simulator. Quel jeu intense. Je vous prépare une dinguerie, là, pour le jeudi mystère. Hein. Jeudi mystère, je le ferai en fonction de mes finances, parce que franchement, c'est un peu cher, en fait. Qu'est-ce qu'on a fait là? Ah oui, on a récupéré Pat. Allons voir ce qu'il vend. T'es. Premier boss, putain. Et un. Un. En 3h04. Je me trouve un peu rapide quand même. Ton passé dans le commerce qui te manquait. En vrai, ça a l'air cool. Hein. J'ai vu qu'il était en alpha. Je pensais qu'il était fini, moi, comme jeu. Mais pas du tout. C'est quoi que j'ai pas vu? C'est quoi qu'il a mis, Elirgen? Attends, j'ai un historique de tes messages, Elirgen. En même temps, si tu te fais fumer et que tu joues jambon, c'est raccord. Je sors. Quelqu'un peut vraiment ban Elirgen? Salut à tous, Ribozo Walter Witt. Ribozo quoi? Je me souviens même plus le nom de cet émote. Merci Alex pour les 5 mois, merci beaucoup. C'est le September, c'est le moment. C'est le moment. Alors attendez, on vérifie ici, du coup. A renouveler son abonnement pour un mois. Pour 3 mois! Pour 3! Putain Alex! 3 mois d'un coup, merci! Alors que là, Twitch Chat ne le dit pas. Je vais appeler le mec de Twitch Chat, je vais lui dire pourquoi ça écrit pas le nombre de mois qui sont pris par le gars qui prend le sub. Alors que c'est quasiment le truc le plus important. Nous, ce qu'on voudrait, c'est un petit numéro à l'intérieur de l'étoile qui est écrit 1, 2 ou 3, qu'on sache d'un coup d'œil si c'est sub T1, T2, T3, mais il veut pas le faire. Il veut pas. Il m'a dit d'aller me faire voir, c'est faux. On va lui demander. Donc on va offrir la perle de pâte. Donc merci Alex pour les 3 mois. Merci beaucoup. Achetez quoi? Achetez perle de pâte, c'est ça. Alors, merde, c'est des pierres 3. Il me fallait une 4. Eh ben c'est pas grave. On va faire qui du coup? Là ici on a Adula. Bon, on va aller faire le premier boss. Hein. La grotte marine, let's go. De toute façon j'ai une arme en plus 10. En vrai le jambon plus 10. En nécrolimbe, ça va, non? Alors pourquoi, d'où j'ai mis ça, là? Trou de balle, man. Trou de balle, man. Super pouvoir du trou de balle. Luca, trou de balle, man. Tu peux m'envoyer mon historique? Je vais te faire un almanach 2024 de toutes les que j'ai dit. Non, je peux pas te l'envoyer, je crois pas. Putain, je fais des bons dégâts quand même. Hein. Tu ferais plus de dégâts en plus de 25. Hein. Mais vas-y, fais-moi une pierre 4, Heroi. Oula. C'est quoi ça? Ah non, putain, c'est les réglages de Warida. Du coup, les duos. Ah putain, les duos, c'est des trios, quoi. Attends. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Ça va quand même un peu. Oh la putrée du cul! Désolé, je m'emporte. Je vais peut-être emporter un petit peu quand même. Panic roll pas du tout, hein. Je veux juste pas la putrer en fait. Putain, mais tombe en fait! Le jambon là! Jambon versus cristal quoi! Ok, on a un mage. On va se concentrer. Je suis pas du tout en panique. Ça se passe bien, je cours pas.
T'es en train de courir de peur. Ok, tu vas comme ça maintenant. Le bazooka qui a été évité parce que c'est... Ok, le bazooka de nouveau. Voilà, je t'ai grand mort, putain. Allez, deux boss. Faut cliquer où, la boss 2 de... Ouais, une esquille. Trop bien. Un level d'esquille. Du tournesol. Non, une graine dorée aussi. L'humiliation, tu es tabassé à mort par un jambon. Ben voilà. Chez. Chez le cristallien. J'ai chez pour pâte. Ouais, ouais. Tac. Fallait juste une 4 en fait. Tu vas restream BMW? Oui, bien sûr. Comme je disais, je ferai Elden partie 1 et jeu autre partie 2 pour bousiller mes stats. Comme ça, au moins, je suis sûr d'avoir du monde en partie 1 et personne en partie 2. Puisque les autres jeux que Elden Ring n'intéressent personne. Nobody! Ils intéressent Team by another gaming. Ok, bon, on va pas y aller du coup. On va rester peinard. Quoique si, on va aller faire un air de chargé de près là. J'ai peur du scorpion. Hein. Oh, t'as monté dedans. Ok, on va quand même se soigner. Je vais y aller en attaque sauter-plongée. Voilà. Chaque 4. Pierre de forge 2, super. Je sais que les scorpions me donnent des pierres de forge 2 du coup. Salut Didissim, coucou. Moi aussi je joue à un petit jeu indé chinois là en ce moment. C'est même pas un triple A. Mais oui, je vais restream Black Myth Wukong, bien sûr, ouais. Donc partie 1, ce sera du Elden, comme ça, il y a du monde. Et après, hop, tu dis à tout le monde, j'arrête là, je vais jouer à Black Myth Wukong, et là, il n'y a plus personne. C'est comme ça que ça va se passer. Il faut qu'on teste les zizi dans d'autres structures que le sable et la neige. Ok, on va quand même aller voir si on n'a pas un petit flamme renforce-moi dans cette cathédrale draconique. Ah. C'est pas mal, hein. Avec le café, c'est vraiment banger ce que j'ai fait là. Merci encore pour le bienvenue, le live. Des bisous tout le monde. Salut Alexandra, ciao ciao. Bisouille. Yes cagouille. Comme on dit quoi. Personne dit ça. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire d'autres boss. Ce qui est bien, c'est qu'on en a eu un. Et ce qui m'énerve, c'est que du coup, Owa, il a mis dans ses réglages que les boss étaient mélangés entre eux, les boss duo, trio, etc. Et moi, je l'avais pas mis, ça. Et du coup, j'aime pas trop. Peut-être je l'enlèverai. Possible. On va aller là. Et deux. Plus que 205, en fait, quoi. Genre, c'est win, quoi. C'est quasi la run. On est à ça, on est à un boss que ce soit la run. 205 boss. Pff. Eh non mais, easy win en fait. Doigt dans le nez. Pff, on est si proche de la fin. Franchement, je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de monde pour voir la fin de la run. On est quasi à la fin. Il en reste 205. Pff, c'est plié en... Pff. Pff. Miska, assoye-toi! T'imagines cette phrase? Plus que 205, non mais c'est horrible. Ah, des fioles! On va peut-être se mettre une fiole de mana. C'est quoi le weapon art du truc là? Ah, attendez, on m'appelle. Putain, désolé, hein, c'est le... Voilà. Thank you.
Ouais, re. Ça va tout le monde? Personne est en PLS? Combien ont de la mousse qui sort de la bouche actuellement? Désolé, hein. Ouais, re, ouais. C'est ça. Bon. Je sais plus où je suis. Ok. Je suis levé depuis 6h30 du matin. Je tiens à préciser ça quand même. Je suis levé depuis 6h30. Ouais, ben ouais, je suis assez d'accord avec toi, Stéphane. Pourquoi il y a ce connard qui est là? Je suis en Odès, enfant de tes morts. En fait, donc casse-toi. Salut Nadoka, RJ. Coucou. D'habitude, on est plutôt calme. Hein. Galdra, elle est levée depuis hier soir. Mais c'est pas une compète. Hein. J'avoue, Galdra, putain. Mais faut que tu dormes. C'est pas du tout celle-là qu'il me fallait. Pierre Sombre 4. Eh, vraiment, c'est des... Je suis sûr, les devs, ils m'ont mis un... Enfin, bref. J'arrive plus à parler. Bref. Profitez, quoi. Profitez du moment présent. Vas-y, t'as bouffé tes grands morts, toi. Hop. J'ai 9000. Ah 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 ah. Pierre 6. Et l'autre, là, qui fait sa putrée de merde. J'aime pas les fleurs, de toute façon. C'est pour ça que c'est en voie d'extinction, les fleurs. Bref. J'ai pas envie d'en parler. Comment tu vas? Tu peux m'appeler Doka. Ok, eh bien ça va Doka. Bonjour, désolé d'habitude je suis calme, mais là je suis énervé. Et du coup je suis en All Bosses No Death Randomizer Doka. Avec DLC compris. Donc 207 boss à faire en randomizer. Item plus mob plus boss. Pas de soucis, non mais c'est bien. Je suis calme. Et donc là je peux pas level up parce que je suis un trou. Voilà, bon, vous avez la suite. Let's go. Ah, il vient. Normalement, il disparaît, je crois. J'ai pas envie que tu me regardes. Quoi. C'est bon, j'ai mis la lampe. Putain, en vrai, je suis content de recommencer le randomizer. Juste, ça va durer 8 mois, mais en vrai, je suis content. Putain, la lance de cristal putréfié. C'est super bien, je m'en servirai jamais. Allez, go. J'ai rien à ma fiole de salut miraculeux. Merci Doka pour le follow. Merci et bienvenue. Allez, Midra. Petit Midra là. Petit Bale. Chaud. Et ben. C'est la run goldée. Ça valait bien les 9421 runes. Putain! Elle est là, cette grognasse de ces grands morts qui pue du cul! Donc ça, c'est bien. Ok, donc Malenia, elle est là. Oh, c'est la première fois de ma vie que j'ai une putain de Malenia en nécrolimbe. Si je réussis pas ce run, je me mange le poing, je tire assez fort pour m'arracher les dents, ensuite je mange mes dents, je les chie, et je les regarderai évoluer en dentier. C'est un arbre à dents. La rouquine est là, ouais. Je suis pas énervé, hein. Je pense qu'aujourd'hui, je vais pas être calme du tout. À mon avis, je suis bourré à 13h30, je suis bourré. Mais quoi? Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, on sort de là, du coup. Let's go. On va faire... Bah, on m'empêche de faire 10 boss pour la prédit. Bon, après, la prédit sera valide pour le prochain stream. Y a pas de souci pour ça. Re-Azouk. On a trouvé Malenia. Hey. Yes. Ça se passe bien, ouais. On a trouvé Malenia. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Trop content. Non, parce que Malenia, moi. À chaque fois, Malenia à la place de Gideon. Hein? Grognasse. Malenia à la peau, mouton de foudre. Sur votre droite, vous pourrez observer un mouton de foudre. Malenia à la place de Radan. Malenia à la place de tout ce qui pue. Tout ce qui pue du Derche, Malenia elle y était. Salut Lorenzo. Non mais là, Malenia elle est là. Elle est scalée, genre scalée mouton quoi. Trop bien. Par contre, en premier boss, quand même, c'est chaud. Si j'étais allé là pour une première arène, j'avoue, c'est un peu chaud, quand même. Ok. Ribo de retour sur la rando. C'est ça, le banger, hein, comme disent les jeunes. Mais... Et du coup, ben... Les viewers de retour, tout court. Sur Elden, quoi. Oh, la virtuosité de Loretta.
Ouais, le mouton, t'as vu, il était en mode groupe électrogène. Pour ceux qui ont la ref, il était comme dans Core Keeper qui donne l'énergie pour faire pop, même pour faire naître tes œufs. Car oui, je ponds. Oui. Si jamais vous vous posez la question, oui, je ponds. Ça fait pas longtemps, mais je ponds depuis quelques temps. 14h, 15h, Toto, attention. Ah oui, 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 c'est vrai. Number. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? On va chialer sur ce défi, on va chialer. Ok. Je suis en Odesse, hein. Vous vous excuserez d'avoir les fouets, d'accord? Faire c'est ça. Là, j'ai vu des grosses structures. Putain. What? C'est what? Ouais, y'a le gars qui y va là, il est chaud. Il y a une vierge de fer. Il y a un maxi bulbe. Il y a un oh énervé. Je suis sûr il y a un autre truc. Il y a une autre dinguerie à mon avis. Oh putain. Non mais je pense qu'on va chialer. Moi j'ai dit 8 mois, mais en fait c'est un an et demi de défi là. Et caille perlée, qu'est-ce que c'est? Et les tripes. Putain. Bon mais j'y vais pas. J'y vais pas du tout. On va monter. Salut Maori. Tiens, bonjour. On parlait de toi justement, on était en train de savoir si on te gardait ou pas dans la commu. Comment tu vas Maori, coucou. Au fait, j'ai vu les gros yeux de Malmort dans le DLC peuvent être désactivés, si jamais. Ah. Je suis mort. Je suis mort à cause des poteaux. Je suis mort de poteaux. Bon vas-y, je me casse. Je chiotte les objets, non? Je suis pas mort. Ok. Ok, ok. Ça se passe pas très bien, hein. Je trouve que quand même c'est... Enfin tu vois ça... C'est un skin, en fait, ce que j'ai là, comme partie. Mon skin il est super, genre j'ai un jambon, plus 10 et tout. Mais en fait ça se passe vraiment pas bien. Je prends la max en termes de dégâts. Je peux pas porter d'armure. À l'aide. C'est quoi, c'est un clochette man sur poney, en bas? Let's go. Hop, je me repose avant d'aller au boss. Moi ce qui me terrorise, parce que c'était terrifié et terrorise en même temps, c'est les chevaliers de la mort qui peuvent se soigner en te faisant des dégâts. À l'aide. T'es accro à BMW, moi j'aime bien Nissan. Et bon après, les goûts, les couleurs, tu vois. On continuera lundi, BMW, vous inquiétez pas. On fera d'abord un jeu qui fait venir des gens, à savoir Elden Ring. Ensuite, on jouera à Black Myth Wukong pour que les gens se cassent et qu'on reste entre nous pour discuter, d'accord? Allez, on prend ça, y a rien dedans. Hop, let's go. Et si on se... Non mais, enfin, je... Quoi? En fait, c'est quoi tout ça? Donc là, il y a Mog. Et alors, il y a... Enfin, en vrai, le starter est pas mal, mais si je peux pas tuer de boss, ça va être compliqué. Ok, on a Mog le réprouvé ici. Non mais tout le monde va me dire oui mais Mog le réprouvé, franchement tu le fais easy, les doigts dans le nez, nanana, tu chies dans la colle. Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué, ok. Mais on va faire les boss de nuit, hein. Voilà. Ah c'est vrai qu'il y a le lion dansant aussi. Ah mais c'est ça Azouk. Attendez, faut mettre la nuit. Si tu baisses ta garde, t'es mort, en gros.
La bagarre, oui, mais plus tard. Exactement, ça c'est un bon slogan. Faire passer le temps jusqu'à la nuit. Il nous reste 7 minutes de stream ensemble, les amis. Ensuite, je décolle. C'est faux, ça va, gnagnagna, ouais, meuble réprouvé, easy, les doigts dans le nez, un arbre. J'aime bien les arbres. J'aime bien les éclater. Par contre, c'est celui qui se dédouble, je pense. Ouais, le lion dansant de Malmort, là, à l'aide. Je pense que le starter va être compliqué. Ouais, c'est celui qui se dédouble. Non? Si? Ah si. Mais il est loin, non? Il s'est dédoublé, voilà. Deux. On est deux. Trois. Treize. Fourri. Comment on dit? 5000. Ah bon? Ah bon? Mais crève! À la sacoche et la rune de Morgoth. What? Salut Looping, salut Ristin. Ok. Et ben ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre de la Protec. On se met de la Protec. Attends, c'est quoi? Ça augmente la puissance des compétences de coups de pied et d'écrasement. C'est vraiment nul à chier. Ça, c'est de la Dex. Étouffe de tous les soins ennemis en porteur de déplacement. Ok, là, ça, c'est les postures. Ouais, vas-y, je vais mettre... J'ai pas grand-chose d'intéressant, quand même. J'ai parce que c'est trop facile. Ouais, j'avoue. Là, c'était facile. Il s'est dédoublé à 4 km, t'as vu ça? Ouais, j'avoue que j'ai pas de larme de vie, ça c'est un peu problématique. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller voir là, là. On va aller voir côté Bernal, là, il y a boss de nuit, x2, c'est pas mal. C'est la nuit? Ouais, c'est la nuit, allez, j'ai peur. Il faudra que je tue Bernal aussi, t'as tué Bernal. C'est fait. Putain, elle est pas mal la run. Oh, l'épée en alliage. Oh, la belle épée qui va me permettre de défoncer les oiseaux. 18 et 20. En termes de statistiques. Du coup, normalement, ça devrait popper, là. Putain, j'ai jamais vu ce boss. Trop bizarre. Hein. C'est quoi ce boss? Je connais pas ses patterns et tout en plus là. Ouais, chaud. Hein. Pas fait un bon opening en plus. Hein. Caché du DLC. Ouais, pas évident. Pas évident du tout. Allez, 4. Putain, ça par contre, ça casse les bombes. Mais on est content plus tard. On sera content plus tard de pouvoir améliorer Torrent. En vrai. Ok. 4 boss. C'est pas mal. Faut absolument que je quitte ce stream bientôt. Merci pour les GG. C'est quoi? Oh non. Eh ben voilà! Du sacré pour eux. Putain, mais j'en ai trop des... Mais putain, mais il y a double dragon, quoi. À l'aide. Tu as Batman actuel qui est de 5. Le setup, Kalia. C'est pour ça. C'est le setup. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, il y a une geôle. Il y a la technique que m'avait dit Galdra, justement, de faire pop l'ennemi quand on est au fond de la geôle. Je vais faire ça. Salut, Balbuzard. Comment ça va? Balbuzard. On va y aller voir. Et là-bas, Mesmer et fin de la run. Bise. Ouais, salut Elysia, ouais.
Dans votre ville éclatée là. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. En vrai, je suis d'accord avec toi. Vous arrivez là? De toute façon, moi, faut que je bouge. Hein. 10h58, dernier boss là. Après, on va chez Lalin. Restez pour le raid chez Lalin. Lalin, qui est le wiki. Ouais, ville de merde, ouais. Non, mais c'est vrai. Donc là, normalement, ça pop là. On est sur le téléporteur. Téléportation. Ok, donc c'est un putréfié. On va à Toulouse, hein. Je suis pas dans le bon train. Putain. Go Toulouse. Ok, donc là c'est Exekex. Ok. Qu'est-ce que je peux faire comme boss? Là il y a une gargouille vaillante. À l'aide. Putain, c'est pas évident hein, comme starter. Hein. C'est vraiment pas évident. Je vais aller là. C'est un Kajibi. Hein. À l'aide. Nique Paris et les Parisiens, j'avais... Sauf Ribot, j'avais pas vu, putain. Ah, t'es dans le train, ok. Ok, ok. Bah moi, je vais bientôt bouger pour aller récupérer Romain Jacques. Dernier boss, c'est parti. Et après, je bouge. Et j'irai faire quelques courses aussi, t'as, dans l'après-midi. Pour ramener chez Wasp. Je voulais faire un aligo, mais c'est pas possible. Fait, là. À quel moment je fais un aligo, là? C'est mort. Prochain coup. Le retour Pepsi d'Elden Ring. Oui, en All Bosses, No Death Randomizer. On est sur la première run. On est déjà à 4 boss, tu t'imagines un peu. Pierre 8. Là-haut, il y a un truc. Quoi. Ouais, il y a des trucs. Attendez, j'y vais. Non. Bon, mais fuck. Hein. On fout. C'était peut-être la pierre 3 dont j'avais besoin. J'avais rien à battre. Ok, go. J'ai pas de boost au début et tout. Attends, inventaire. Je peux peut-être me mettre un boost de chair exalté. Go. Ouais, j'ai eu un starter cuisseau de poulet chez Calais. Ça va. En vrai, ça va. Look at my back. On va monter l'endu de ouf. Élu. On va aussi faire les courses, attends-nous. Attends, ah oui, mais je ferai avec vous. Ok, bon, alors on la laisse peinarde. Bon, 5 boss, les amis, 5 boss, c'est la folie. Par contre, je suis obligé de cut là. Je suis obligé de cut. Il est 11h01. On va aller en panique chez Lin Lin. Des bisous, YouTube. Ciao, ciao.